Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. On va vous demander pour celles et ceux qui sont encore debout de bien vouloir essayer de trouver une place parce qu'on va commencer dans 5 petites minutes, 5 minutes maximum, le temps que tous ceux qui sont encore dans les couloirs et les coursives puissent prendre place et rentrer donc dans la salle. Pour celles et ceux qui ne pourront pas rentrer, ça semble maintenant assez clair que la salle sera bondée. Eh bien, on a prévu une diffusion sonore et visuelle dans les couloirs. Le meeting donc commence dans 5 minutes maximum. Et donc je vais vous inviter, avant le début de ce meeting, à essayer de relayer au maximum autour de vous, via les réseaux sociaux, le meeting de ce soir, les différentes interventions. On sera diffusé sur Facebook Live, donc vous pourrez dans quelques minutes partager le lien pour que toutes celles et tous ceux qui ne sont pas avec nous ce soir puissent suivre ce meeting avec nous. Et puis on va vous inviter également à tweeter largement, à relayer ce meeting sur Twitter, des photos, des extraits, des interventions des uns et des autres. Pour ça, vous avez deux hashtags. Le hashtag européen Hop is back. Et puis pour ceux qui, comme moi, préfèrent tweeter en français, l'autre hashtag, c'est l'espoir revient. Donc Hop is back et l'espoir revient. N'hésitez pas, il faut en balancer un maximum sur Twitter, partager le Facebook Live. Et on commence dans quelques toutes petites minutes. Mais on va commencer dans quelques toutes petites minutes à la condition seulement que vous nous montriez que vous avez envie qu'on commence. Alors je vais vous poser la question, est-ce que vous avez envie ce soir de participer à un grand meeting européen et citoyen? Alors ce soir, les drapeaux européens, les drapeaux de génération, on va les déployer, les pancartes, on va faire du bruit, on va se donner du courage dans cette période politique compliquée. On va être à la hauteur de notre responsabilité dans une période où il faut écouter, entendre, répondre à la colère et en même temps donner de l'espoir. Dans quelques minutes, le début de ce meeting avec Yanis Varoufakis, avec Benoît Hamon. Dans quelques minutes, le meeting pour que l'espoir revienne en Europe.
Ça fait 5 minutes, chers amis, le meeting va commencer dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc au Cirque d'Hiver pour ce grand meeting européen et citoyen avec Yanis Varoufakis, avec Benoît Hamon. Un grand meeting européen et citoyen à un peu plus de 5 mois de l'élection européenne, une élection déterminante pour l'avenir du continent. Et dans un contexte social que vous connaissez avec la mobilisation des Gilets jaunes et des lycéens qui nous impose de répondre aux colères et de redonner de l'espoir. Ça sera évidemment le fil rouge de beaucoup des interventions de ce soir. Je ne vais pas vous présenter dans le détail le déroulé de ce meeting. Ça va être dense, ça va être riche. Mais d'ici quelques toutes petites minutes, je vais vous inviter à vous lever. D'ici même toute petite seconde, c'est-à-dire maintenant. On va remettre la musique, on va se lever. Et dans quelques instants, on va accueillir pour le début de ce meeting Yanis Varoufakis, qui est avec nous ce soir. Yanis Varoufakis, le voilà. James Galbraith, Aurore Laluc, Sarah Soily, Claire Monod et Guillaume Balas, Léa Filoche, Isabelle Thomas. Et je vais vous demander d'accueillir également très chaleureusement à leur côté Benoît Hamon. Je salue les parlementaires avec Régis Joannico, député de la Loire, Édouard Martin, député européen, Sophie Taillé-Polian, sénatrice, et Dominique Bertinotti, ancienne ministre, les conseillers régionales, les élus parisiens, franciliens, les élus des régions qui sont là ce soir pour ce grand meeting européen et citoyen avec Benoît Hamon. Et ce soir, on est très nombreux au Cirque d'Hiver, mais on est encore plus nombreux à travers la France. Donc n'hésitez pas, partagez le Facebook Live autour de vous pour qu'on soit encore plus nombreux, pour que partout en France, partout en Europe, l'espoir puisse revivre. N'hésitez pas à tweeter avec les hashtags Hope is back et l'espoir revient. Chaleureusement remercier également l'ensemble des comités parisiens de Génération pour l'organisation du meeting de ce soir. Remercier toutes celles et tous ceux qui hébergent des citoyens venus d'un petit peu plus loin pour participer à ce meeting ce soir. Merci à tous les parisiens, tous les parisiennes, tous les franciliennes, tous les franciliens. Et dans quelques instants, vous avez vu la transition, pour ouvrir ce meeting, on va accueillir le binôme qui co-préside le groupe Génération au Conseil de Paris. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Léa Filoche et Yves Contasso. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue dans le 11e arrondissement, bienvenue à Paris. Cet arrondissement spécial dédicace au comité local du 11e est un arrondissement d'un quartier emblématique où la vie quotidienne est diverse et la vie nocturne vivante. C'est aussi le quartier de Charlie Hebdo, c'est aussi le quartier des attentats du 13 novembre. C'est un quartier où la convergence historique est alliée à la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes. C'est ce quartier-là, dans ce quartier-là que nous nous retrouvons ce soir. Paris, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, est un pôle de centralité. Alors que les gilets jaunes sont présents partout sur le territoire, ce sont aussi les rues parisiennes qui sont scrutées. Alors qu'un très grand nombre de lycées, d'universités sont mobilisés, la référence est aussi ce qu'il se passe sur le territoire parisien. Mais Paris, parce que c'est un pôle de centralité, est aussi un pôle de convergence. On l'a déjà vu dans l'histoire et j'espère qu'on le verra à nouveau d'ailleurs à l'avenir.
La marche pour le climat, les manifestations diverses, celles qu'on connaît récemment notamment, les mobilisations pour toutes sortes de droits, et notamment celles de la jeunesse, convergent à Paris et ailleurs. Car en effet, à Paris comme ailleurs, les mots sont les mêmes. L'accroissement des inégalités, l'accroissement de la paupérisation, la transformation à mettre en œuvre dans le cadre de l'urgence climatique. Les attaques contre les droits des salariés, ce sont des défis qui sont tous posés à Paris, dans les grandes villes, dans le monde rural, mais aussi en France, en Europe et partout dans le monde. Les mots sont les mêmes. Alors je suis élue du 19e arrondissement et lorsqu'avec les militants du comité local du 19e, spécial dédicace, afin que la solidarité ne soit pas qu'une posture pour mieux accueillir les réfugiés, ou lorsque notre groupe dépose en Conseil de Paris des vœux ou des amendements contre la destruction des services publics de proximité, nous savons que ces combats se retrouvent ailleurs. Lorsqu'on intervient contre des expulsions locatives ou encore pour des rénovations thermiques de bâtiments municipaux, nous savons aussi que ce sont des actions qui se retrouvent partout. Les mots sont les mêmes. Au sein de Génération, nous avons réussi à faire ce pari de la convergence, faire un nouveau mouvement qui se veut à la fois inscrit dans une histoire sociale et écologique tout en relevant les enjeux de la participation citoyenne et de la prise en compte de l'intérêt général. Alors je suis à tous ces titres particulièrement fière que pour les échéances qui nous attendent, électorales et autres, cette convergence puisse se concrétiser par notre forte présence ici ce soir, mais aussi dans les mobilisations sociales, dans les actions écologiques et par des listes aux européennes traduisant au mieux ces ambitions. À nous maintenant de rendre concret dans les mobilisations du moment et dans celles à venir les engagements que nous avons pris. Alors encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et bon meeting! Bonsoir à toutes et à tous. Alors faire de Paris une ville solidaire, écolo, accueillante pour toutes et tous, voilà notre projet. Solidaire, car si Paris est une ville dite riche, il y a aussi beaucoup de pauvres à Paris. Solidaire vis-à-vis des réfugiés, Léa en a parlé, qui fuient les guerres, les conflits, mais qui fuient aussi déjà, qui sont les victimes du réchauffement climatique. Solidaire des territoires qui l'entourent, nous ne l'oublions jamais, car Paris leur doit tant. Écolo, car on ne peut plus accepter les milliers de morts prématurées par an liées à la pollution atmosphérique. Écolo, pour prouver qu'avec de la volonté, il est possible d'enrayer le dérèglement climatique. C'est donc tout le contraire de la politique de M. Macron, qui vide les territoires de leurs services publics, qui réduit les moyens financiers des collectivités territoriales, qui supprime les moyens de s'y rendre en train ou les moyens de s'y soigner. Je pense que nous y reviendrons tout à l'heure. Ce que Génération veut faire à Paris, c'est exactement ce que Génération veut faire pour la France, pour l'Europe, pour la planète. Écologie, solidarité, humanisme, démocratie, des valeurs et des projets pour redonner l'espoir. Merci. Et vous pouvez les applaudir encore plus chaleureusement, Léa Filoche et Yves Contasso. On va maintenant accueillir à ce micro dans quelques instants un des infatigables artisans de Génération, puisqu'il en est l'un des coordinateurs nationaux, également député européen qui est de tous les combats depuis 5 ans maintenant pour les droits sociaux, contre le dumping social, contre le dumping fiscal, également combattant pour l'écologie et pour plus de démocratie. Vous pouvez accueillir Guillaume Balas. Merci, ça va bien ? Vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs milliers. On a dû malheureusement dire à plein de gens dehors qui ne pourraient pas rentrer. On s'excuse auprès d'eux et on va essayer de faire un très beau meeting pour qu'ils puissent se dire qu'au moins, ça a été magnifique ici. Alors, d'habitude, j'écris jamais rien. Et aujourd'hui, quand même, je me suis dit qu'il fallait le faire, en tout cas avoir quelques notes. On est quand même dans un moment où on va avoir beaucoup de joie ce soir, mais la période est quand même pas simple. Le pays est dans un moment qui est un moment grave. Pas que le pays, l'Europe, le monde aussi, hésite.
On hésite entre l'angoisse et l'espoir. Alors passons vite sur l'angoisse, mais elle existe. Elle existait cet après-midi quand j'ai reçu plein de textos de parents inquiets parce qu'ils avaient leurs enfants au lycée, des lycéens, et qu'ils ne savaient plus en qui ils pouvaient avoir confiance. Ils se demandaient même si les ordres qui étaient donnés aux policiers sur le terrain étaient des ordres qui allaient préserver la santé, l'intégrité de leur enfant. C'est l'angoisse aussi par rapport à ce grand mouvement populaire, les Gilets jaunes, dont on voit bien aujourd'hui que le pouvoir à l'Élysée, complètement déconnecté du réel, est incapable de donner une réponse à la hauteur. Et oui, c'est dangereux. Car s'il n'y a pas de réponse à la hauteur, alors la colère peut grandir et il ne faut pas que cette colère grandisse, car il faut que démocratiquement, nous puissions trouver des débouchés politiques à ces demandes sociales si fortes aujourd'hui. Il y a une angoisse encore plus profonde. On la sent depuis des années. C'est une angoisse qui touche aujourd'hui à l'explosion des inégalités, au désastre écologique et également à la montée des nationalismes. Et on nous raconte toujours que c'est inéluctable, comme s'il n'y avait rien à faire, comme il n'y avait pas de chemin pour en sortir. Le défi de ce soir, c'est au contraire de vous dire que l'on dise ensemble ailleurs que oui, nous pouvons en sortir, que oui, il existe des chemins. Tout d'abord, sur la première et la plus cruciale des questions, redonner du pouvoir au peuple, aux citoyens. Il faut une nouvelle République. Oui, il faut une nouvelle République. Et cette nouvelle République, elle doit casser le pouvoir d'un seul. Elle doit permettre aux forces sociales, citoyennes, politiques, de s'organiser, de débattre, d'avoir des contrats entre elles, de construire du positif ensemble. Mais disons-le, il faudra aussi inventer une participation citoyenne plus directe pour faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier la chose publique. Il y a une exigence qui monte de partout en France, mais aussi partout en Europe. Alors, cette Europe, justement, elle n'est pas rejetée. Tous les sondages, toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas l'Europe le problème. Le problème, c'est la politique qui y est menée. Le problème, c'est les dirigeants européens aujourd'hui enfermés dans leurs dogmes. Et notamment, ce dogme principal, je suis député européen, je peux vraiment en témoigner, c'est que les lobbies des plus puissants, les lobbies privés, doivent toujours avoir le mot de la fin par rapport aux citoyens. Cela, maintenant, les gens ne le supportent plus. Et ils s'organisent. Et ils s'organisent pour y répondre. Partout en Europe, les ONG, les associations se fédèrent, s'organisent, font des propositions, créent des plateformes. Les syndicats s'organisent. Imaginez que la Confédération européenne des syndicats réussit à mettre d'accord les syndicats du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, l'ensemble des travailleurs pour porter des revendications communes. Et nous, nous n'y arriverions pas ? Bien sûr qu'on peut y arriver. Nous avons aujourd'hui les forces en Europe pour la changer. Alors, il faut ce saut vers la justice sociale. On en connaît les moyens, ils existent. Justice fiscale, meilleur salaire, investissement pour aider les plus faibles, revenu universel d'existence. Jamais la France n'a été aussi riche. L'Europe non plus. Ce n'est pas un problème de produire toujours plus, c'est un problème de répartir mieux. Il n'y a pas d'obstacle juridique, économique, ni en France, ni en Europe. Il y a un simple obstacle politique. Une petite minorité a réussi à nous faire croire qu'elle était plus puissante que l'immense majorité. C'est juste cette fragile illusion qu'ensemble, nous devons détruire. Effaçons-la. Cette justice sociale, c'est la justice écologique. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus pollués par l'air, l'eau, la nourriture, leur environnement immédiat. Et pourtant, nous pouvons établir dès maintenant des grands problèmes écologiques. Pourquoi ? Jamais dans l'humanité, il n'y a eu autant de savoir. Jamais il n'y a eu autant de connaissances, de techniques, d'êtres formés, éduqués. Partageons ces richesses, organisons ces savoirs, obligeons ceux qui veulent les garder pour eux à les offrir à tous.
Oui, oui, nous pouvons conquérir le bonheur écologique pour tous. Et pour cela, Yanis, nous devons commencer par ce grand plan d'investissement écologique au niveau européen. Donner à l'Europe cette utilité. Alors je termine. Démocratie, justice sociale, transition écologique, génération s'est construite autour de cela, pour cela. Mais c'est vrai partout ailleurs, dans tous les pays d'Europe. Alors, laissons de côté le pessimisme, la résignation, source d'autoritarisme, d'inégalité, d'anti-écologisme, cet anti-projet anti-humaniste. Mais au contraire, faisons de cette convulsion historique une naissance. Une naissance, la naissance d'un grand espoir. De dire que non, si le monde aujourd'hui est fragile, c'est parce qu'il attend ses solutions. Et que nous, partout, à partir de ce soir, nous allons créer une petite lueur qui deviendra flamme et un incendie de bonheur pour dire oui, à partir de ce soir, l'espoir est de retour. Guillaume Balas, l'espoir est de retour. Et je vous propose tout de suite de visionner une vidéo ensemble sur le rôle que les citoyens et les citoyennes de gauche ont à jouer dans les semaines et les mois qui viennent, le rôle que les citoyens et surtout les citoyennes ont à jouer dans les mois qui viennent. Et j'invite tout de suite également Claire Monod à rejoindre le pupitre parce que juste derrière, Claire Monod, coordinatrice nationale de Génération, prendra la parole. Vous pouvez l'applaudir. Génération a lancé un appel à candidature citoyenne pour l'élection européenne de 2019. Cet appel a suscité des centaines de candidatures, mais parmi elles, seules 28% sont des candidatures de femmes. Pourtant, à Génération, il y a plus de femmes que d'hommes. Ceci est un appel de féministes, de citoyennes à d'autres citoyennes. Nous avons besoin de vous pour gagner ces élections. Les femmes sont les premières victimes des politiques néolibérales et des conservatismes en Europe. L'égalité femmes-hommes régresse dans de nombreux pays. Pourtant, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à ne pas oser. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de se mettre en avant. Et les freins professionnels, personnels, familiaux restent très importants. Aujourd'hui, nous vous demandons d'oser. Citoyennes, osez vous lancer dans ces élections parce que vous avez à apporter au moins autant que les hommes au débat politique. Osez vous proposer pour mettre toutes vos forces dans la bataille électorale et militante. Osez vous présenter pour que vos combats deviennent ceux de tout un projet collectif. Osez être un modèle pour des millions de filles qui ont besoin qu'on leur montre le chemin. Osez devenir députée et porter nos combats au Parlement européen. Osez proposer votre candidature pour les élections européennes du 26 mai prochain. Pour la démocratie. Pour l'égalité. Pour l'écologie. Pour le féminisme. Pour l'humanisme. Eh oui, bonsoir. À Génération, nous sommes plus nombreuses. Oui, c'est là que nous sommes plus nombreuses que les hommes. Ce soir, j'aimerais commencer par une bonne nouvelle déjà. Je voudrais vous le confirmer. Ce soir, ensemble, tous ensemble, nous sommes riches. Ah non, pas de nos subsides, ni de nos trésoreries, non, pas encore, ça va venir. Mais nous sommes riches de notre diversité, de nos parcours, nos idées, nos combats et notre détermination. Je voudrais adresser un grand merci à toutes celles et tous ceux qui croient en l'Europe, qui veulent s'engager pour y faire revenir l'espoir, y garantir la paix et y porter une parole citoyenne. Celle-là même qui cherche sa voix, parfois avec enthousiasme, parfois avec rage, avec colère. Celle qui s'engage pour que justice sociale et justice environnementale, climatique, ne fassent qu'une. Celle qui se bat partout pour l'égalité, la solidarité, l'accueil des exilés, les services publics, ou pour boucler les fins de mois. Celle qui veut que la démocratie retrouve des couleurs en Europe et dans le monde. Un grand, grand merci d'avoir répondu, si nombreuses et nombreux,
à l'appel à candidature citoyenne lancé par Génération le mois dernier pour constituer une liste qui rassemble. Merci, merci pour cette belle énergie qui réunit nos combats pour la transition, contre le libéralisme, pour les générations qui viennent et contre les profiteurs et les cyniques, les nationalistes et les apprentis sorciers de la démocratie qui prônent l'austérité jusqu'à la destruction. Merci de relever la tête et de retrousser vos manches. Merci d'être là ce soir ou de nous suivre par vidéo. Nous atteignons déjà 1000 propositions issues de tous les territoires, de nombreuses nationalités européennes, de tous les âges, toutes les conditions. Mais, vous l'avez vu, il y a un bémol que nous voulons dépasser. C'est pour ça que nous avons fait cette vidéo. Mesdames, je m'adresse à vous. Allez-y, lancez-vous. Nous atteindrons la parité dans les propositions et dans les candidatures si vous osez. Vous, les filles, les femmes, les dames, allez-y. Vous y êtes invités jusqu'au 31 décembre. Et donc là aussi, il est encore temps. Je compte sur vous. Vous allez le voir, notre richesse commune a beaucoup de vertus, contrairement à d'autres. D'abord, elle appartient à toutes celles et tous ceux qui l'alimentent, vous. Ensuite, elle augmente avec le partage. Elle est humble et généreuse, comme vous allez l'entendre. Elle est efficace, car elle sert des causes justes. Enfin, notre richesse est solidaire et nous sommes toutes et tous réunis ce soir pour la faire fructifier ensemble. Merci. Claire Monod, sous vos applaudissements. On va débuter maintenant une séquence de 3 interpellations qui vont structurer ce meeting. Vous savez qu'en France, en Europe et dans le monde, il existe un lobby industriel, un lobby pétrolier, un lobby agroalimentaire, un lobby des alcooliers, un lobby du tabac. Mais il faut, face à ces lobbies qui n'ont que l'intérêt privé à l'esprit, opposer un lobby citoyen qui défend notre intérêt, l'intérêt de tous. Et c'est justement le sens des 3 interpellations qui vont se succéder. La première, dans quelques instants, sur les questions de services publics de proximité, sur les questions de santé, va nous permettre d'entendre le collectif mobilisé dans l'Indre autour de la maternité du Blanc, une ville de l'Indre qui compte une maternité. Et des gens là-bas se mobilisent de longue date contre sa fermeture. Je vais vous demander de les accueillir très chaleureusement parce que leur lutte est exemplaire. Avec Élise Brahi, porte-parole du collectif, et Patrice Houssin, élu du territoire. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci pour votre invitation. Alors effectivement, nous venons de l'Indre, département de la région Centre, et représentons le collectif de citoyens C'est pas demain la veille, qui lutte pour la réouverture de la maternité du Blanc. Alors pour situer, le Blanc, c'est une petite commune de 7000 habitants qui fait partie du parc naturel régional de la Brenne. Donc c'est 32 000 habitants, 17 habitants en kilomètre carré. Vous voyez, on n'est pas nombreux, on ne se marche pas dessus. Au niveau de la zone de santé, c'est 70 000 habitants. Donc zone très rurale, éloignée des grandes métropoles. Elle se situe à plus de 60 km de Châteauroux, à plus d'une heure de Poitiers et de Châtellerault. Donc la maternité du Blanc a cessé son activité provisoirement au mois de juin 2018 suite à un problème de gestion de planning, puis définitivement le 19 octobre. Arrêt programmé, mort préparée, 300 naissances,
par an, ce n'est pas rentable. C'est sûrement ce que pense l'ARS, l'Agence régionale de santé. Officiellement, l'ARS et Mme Buzyn affirment que la maternité du Blanc était dangereuse, représentait un danger pour les patientes. Nous, collectifs, pensons que le réel danger vient de ne pas avoir de service de proximité, de ne plus bénéficier de l'accompagnement, d'un accompagnement humain, d'une prise en charge de qualité de ce petit service. Le danger est présent quand les mères accouchent dans leur voiture, dans un camion de pompiers ou aux urgences, comme c'est passé encore dernièrement au Blanc, samedi matin. Nous vivons, nous, monde rural, vivons aussi le mépris, l'absence d'écoute et l'abandon de l'État. Pour exemple, il y a 76 élus qui ont démissionné à la suite de la fermeture de la maternité et sans aucune réaction de l'État. Et aussi, on a beaucoup de difficultés à avoir des rendez-vous avec l'ARS et avec les représentants de l'État. Ce qui aussi est important, c'est qu'on sent un abandon et une inégalité par rapport à notre combat. On essaye de pousser des choses, de montrer qu'on existe, et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réaction. Et au-delà de la question de l'activité de la maternité en tant que telle, c'est la fermeture d'un service de santé qui nous pose problème, qui a un impact grave et des répercussions pour la vie de notre territoire. On s'inquiète pour le centre hospitalier, qui dit plus de maternité, dit aussi peut-être plus d'urgence, plus de chirurgie, et peut-être aussi plus d'écoles d'infirmiers, plus d'écoles d'aides-soignants. C'est aussi, on s'inquiète aussi pour l'emploi, pour la perte d'emploi, pour l'activité et l'économie locale, aussi pour l'attractivité des familles et aussi des professionnels de santé. C'est sûr que tout ça, ça va limiter aussi la venue de médecins et aggraver la désertification médicale. Ce sont toutes ces inquiétudes que collectivement, on a portées et on s'est mobilisés pour nous faire entendre. Alors moi, je suis maire adjoint d'une toute petite commune de moins de 300 habitants, donc c'est pas Paris, hein, bien sûr. Je suis également élu au parc naturel régional de la Brenne, où je m'occupe de ce qui est éducation, enfance, jeunesse. Et il me semble que la qualité première pour un élu local, c'est l'écoute. Dans nos petites communes, on passe beaucoup, beaucoup de temps à écouter les gens, pour régler parfois des problèmes, pour aider à régler des problèmes, ou simplement pour écouter. Mais on écoute, on y passe beaucoup de temps. Il y a eu des époques où, nous, élus locaux, on était aussi écoutés par les services de l'État. Ce n'est plus le cas. On n'est plus entendu. On se sent profondément humilié de ne plus avoir l'écoute de l'État. 350 élus du territoire ont signé une motion au mois de juin pour demander la réouverture de l'hôpital. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a 350 signatures qu'automatiquement l'hôpital va rouvrir. Mais tout au moins, on espère avoir un dialogue. On ne nous a pas dit non. On ne nous a pas dit oui. On ne nous a rien dit. On n'est pas écouté. On a l'impression que nous, monde rural, on n'existe pas. Nous avons mené des actions qui se veulent un peu médiatiques. On n'est pas nombreux, donc... Venir à 2000 à Paris manifester, ça ne va pas se voir beaucoup. Donc on a décidé de construire des actions qui fassent de la belle image, en fait, pour qu'on puisse parler de nous. Donc nous avons joué sur les symboles. Nous avons un groupe de dames déguisées, habillées en servantes écarlates. Vous connaissez la série. C'est le symbole de la violence faite aux femmes. Et le plus cruel chez nous, c'est que la violence faite à nos femmes, elle l'est par des femmes. La directrice de l'hôpital de Châteauroux, la directrice générale de l'ARS, la ministre de la Santé. Trois femmes qui créent de la violence à nos femmes sur nos territoires. L'hôpital du Blanc a été souvent en direct. Quelquefois en difficulté, mais toujours nous avions pu rencontrer les ministres de la Santé de l'époque pour reconstruire
un projet et faire en sorte que notre hôpital fonctionne. Nous ne demandons que cela, que rencontrer la directrice générale de l'ARS pour échanger avec elle sur les conditions qui nous permettront, je ne dis pas qui nous permettraient, je dis qui nous permettront, de réouvrir notre maternité. Eh bien, ça, nous n'arrivons pas à l'obtenir. Nous avons téléphoné chaque jour à l'ARS, chaque jour, une personne différente, pour redemander un rendez-vous qu'on a à peine obtenu hier. Nous avons occupé la maternité du Blanc. Benoît Hamon est venu nous rencontrer et on le remercie beaucoup. C'est un moment très, très fort pour nous. Nous avons occupé la maternité, bien sûr de façon tout à fait pacifique et calme. La seule réponse de l'État, c'est 80 gendarmes mobiles qui nous ont évacués. La seule réponse de l'État. Au niveau local, la réponse de la sous-préfète a été pour les 76 élus dont je fais partie qui ont proposé leur démission au préfet, a été de dire à certains, attention, je pourrais réduire les dotations de l'État pour votre commune. Donc je leur dis, on se sent profondément, nous ruraux, on se sent profondément humiliés. Mais pour autant on se bat, donc on mène des actions. On a par exemple accroché 51 portraits officiels à la grille de la sous-préfecture. Ça, c'est une belle photo. Et nous avons en ce moment une action qui a démarré la semaine dernière, qui s'appelle la marche des oreilles. Alors pourquoi la marche des oreilles? Eh bien, Paris n'a plus d'oreilles, le président n'a plus d'oreilles, donc nous, on a décidé de lui apporter des oreilles neuves pour qu'il puisse nous entendre. Alors, 300 personnes étaient au départ. Il n'y en a pas 300 aujourd'hui, il y en a un peu moins qui marchent, bien sûr. Mais l'arrivée, c'est dimanche 16 décembre. Et je vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre. Nous sommes invités par Karine Petit, qui est maire du 14e. Que nous remercions grandement de son accueil. Et donc, samedi, 16 décembre, dimanche 16 décembre, à partir de midi, sur le parvis de la mairie du 14e, et bien, venez nous rejoindre. Nous aurons de belles oreilles à vous montrer. Élise Braille et Patrice Soussin, qu'on peut applaudir. Et pour réagir à leur témoignage, maintenant, je vais inviter à cette tribune Corinne Achériot, qui est infirmière à l'hôpital de Clermont-Ferrand, qui est conseillère municipale à Sébaza dans le Puy-de-Dôme et militante Génération. Et à ses côtés, il va la rejoindre également, Salah Mokran, qui est à l'initiative en 2001 du mouvement Démotivé avec Zebda, qui a marqué l'irruption des quartiers populaires dans le débat public. Voilà, Corinne Achériot et Salah Mokran. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux ce soir pour ce très 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 bel événement dans ce très 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 bel endroit. Alors, bon, moi je voudrais vous dire que je suis ravie d'être là et que bien sûr, mon combat c'est celui de la maternité du Blanc. C'est celui des citoyens qui sont engagés dans la question de la santé publique depuis longtemps maintenant. Puisque dans le cas de la maternité du Blanc, ce qu'on nous envoie finalement, c'est la primauté de l'investissement et surtout du retour sur investissement, puisqu'on cote la santé en termes d'accouchement, c'est rentable ou c'est pas rentable. Alors, il se trouve que le citoyen a été beaucoup confisqué de sa présence dans le débat démocratique sanitaire, puisque toute la question de la santé publique appartient à d'autres personnes aujourd'hui qu'aux citoyens. Et notre proposition, c'est de remettre le citoyen dans ce débat démocratique sanitaire. Pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse discuter ensemble de la proximité, de l'accès aux soins, de l'égalité de l'accès aux soins, de la question territoriale aussi,
de la question des finances publiques aussi, puisque elle est quand même au cœur de la question. Et puis, c'est un combat qu'on partage tous, que ce soit au Blanc, que ce soit à Paris, que ce soit en province, en France et partout en Europe. Qu'est-ce qu'on va devenir si notre système de santé publique s'écroule à force d'avoir été empêché? Et là, il est empêché. Qui prendra en charge les urgences obstétricales, mais toutes les urgences psychiatriques, les gestions de grands événements sanitaires aussi, ne relèvent que de la santé publique. Et si on empêche notre santé publique de respirer, elle finira par s'écrouler. Alors tous ensemble, il faut qu'on remette le citoyen dans ce débat démocratique sanitaire et qu'on travaille tous ensemble sur cette question pour la réanimer. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je viens de Toulouse, c'est spécialement pour ce meeting. Je suis très touché d'être ici. Moi, mes parents, ils sont arrivés d'Algérie dans les années 60. Ils auraient pu arriver du Sénégal, des Comores ou du Kurdistan. Ils sont venus ici pour s'accorder le droit à un avenir meilleur. À ce moment-là, on disait les travailleurs immigrés. Naturellement, pour mes parents, la fraternité avec les autres cultures, les autres immigrés, avec les Français, c'était une fraternité de classe. Et même si ce n'était pas tous les jours simple, les frères et sœurs de combat, c'était les voisins de palier, c'était les militants de gauche. Français, Toulousains, fils d'Algériens et d'ouvriers. C'est cela le fondement de mon engagement politique. Lutter contre une double discrimination, sociale et raciste. Dans mon parcours de militant des quartiers populaires, dans mon engagement depuis les marches pour l'égalité et contre le racisme, j'ai toujours été convaincu que ce que nous portions dans ces luttes, c'était un renouveau de la pensée de gauche. Au-delà des discours et des programmes, construire des intérêts communs, changer les pratiques, reconnaître la légitimité de celles et ceux qui agissent au quotidien, experts de leur vie. Il faut bien le dire, nous n'avons pas toujours trouvé de répondant. C'est ce qui explique que nous avons tenté de construire des dynamiques citoyennes autonomes. C'est de cela que sont les motivés de Toulouse. Notre slogan, c'était « puisque c'est ça, on y va ». Puisqu'on ne trouve pas notre place dans ce qui existe, nous la construirons nous-mêmes. Mais notre volonté ne se réduisait pas à défendre les quartiers pour les quartiers, mais à partir des quartiers, défendre des références et des valeurs communes. Nous avions beaucoup à dire du racisme, des violences policières, des discriminations et de l'islamophobie. Mais nous refusions d'être cantonnés à cela. Parce que nous avons aussi beaucoup à dire de l'éducation, du travail, de la lutte contre le sexisme et de l'écologie. Le ciment de notre dynamique, c'est la question démocratique, la place des citoyens et des citoyennes. Déjà le constat que le fonctionnement démocratique était défaillant. Alors on ne disait pas 6e République ou Nouvelle République, mais c'est de ça qu'il s'agissait. On dit souvent que les gens n'ont plus confiance dans la politique. Moi, je crois que c'est la politique qui doit faire confiance aux gens. Et c'est sans doute cela qui produit le moment que nous vivons. J'ai aujourd'hui un sentiment voisin de ce que j'ai ressenti en 2005, après la mort de Zied Ebouna à Clichy-sous-Bois et les 3 semaines de révoltes qui s'en sont suivies dans tous les quartiers et banlieues de France. Bon, il y avait moins de soutien de la part des Français. Mais c'était très violent. Et si je n'approuvais pas cette violence, je vous le dis sincèrement, j'avais du mal à la condamner. Parce que nous étions devant une révolte sociale qui s'affranchissait déjà de toutes les représentations. À ce moment-là, nous le disions déjà. Les mouvements d'éducation populaire et beaucoup d'associations avaient été mises en faillite par les pouvoirs publics en place. Se méfier des collectifs d'habitants, c'est se priver
des relais politiques et démocratiques. Nous ne devons pas renoncer à la citoyenneté active, celle qui décloisonne, qui ouvre le champ des possibles. La citoyenneté, ça ne se décrète pas, ça s'apprend et ça se vit concrètement. Pour que les jeunes de ces quartiers, et d'ailleurs, se sentent européens, il faut qu'ils la vivent concrètement, l'Europe. Il faut qu'ils découvrent les autres pays d'Europe, il faut qu'ils aillent voir les autres jeunes d'Europe. Nous, on doit généraliser la circulation des jeunes en Europe, quel que soit leur statut social, et que cette mobilité ne soit pas réservée à une minorité. Merci. Tous les jours, notre action nous démontre les possibilités. Le plus difficile finalement aujourd'hui, ce n'est pas de faire, c'est de lever les scepticismes. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre moyen que d'occuper l'espace public physiquement et symboliquement. Ne pas renoncer et transmettre toujours et encore. Merci. Et vous pouvez faire du bruit pour Corinne Achariot et Salam Okran. Corinne Achariot, Salam Okran. La deuxième interpellation de cette soirée sur les questions de fraternité, de solidarité. On va la faire par vidéo, je m'excuse par avance pour ceux qui sont derrière, mais vous aurez le son. On va la faire par vidéo parce que celui qui va s'exprimer maintenant habite loin d'ici. Il est dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya, donc vous voyez sans doute de qui je vais vous parler. D'ailleurs, son combat a fait l'objet d'un très beau film, Libre, de Michel Touesca, qui est sorti il y a quelques semaines et que j'invite toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore vu à aller voir. C'est un paysan, c'est comme ça qu'il se définit, c'est un citoyen engagé et c'est devenu un militant pour la fraternité, un militant pour la solidarité, un militant pour un accueil digne des migrants, un militant contre le délit de solidarité. Vous avez compris que je voulais parler de Cédric Herrou et je vous invite à vous lever et à acclamer le combat qui est le sien, Cédric Herrou. Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Cédric, Cédric Herrou, je suis un paysan et je suis devenu... Nous avons subi dans la vallée de la Roya le contrôle aux frontières, mais pas que, un délaissement de l'État, du gouvernement, qui a fermé les frontières, enfin qui a rétabli le contrôle aux frontières dans l'espace Schengen, qui a bafoué la libre circulation dans l'espace Schengen, qui a mis en péril des gamins, qui a l'État, monsieur, qui est représenté par monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, qui a retourné illégalement et régulièrement des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de mineurs isolés, qui a été condamné d'ailleurs au tribunal administratif. On s'est retrouvés, nous, habitants, infirmiers, ouvriers, retraités, jeunes, vieux, cathos, bouddhistes, musulmans, à devoir agir pour garder l'intégrité d'une vallée. Pour nous, il était impossible de garder l'intégrité d'une vallée en négligeant l'intégrité des personnes qui y étaient. C'est en travaillant en fait les textes de loi, en travaillant avec des juristes, des avocats, que je me suis rendu compte que ce que je défendais, bah, c'était les valeurs d'une république. J'ai compris ce que c'était que la liberté, j'ai compris ce que c'était que l'égalité, j'ai compris ce que c'était que la fraternité. La fraternité, on pense que la fraternité, c'est l'aumône, c'est d'être à l'écoute de la mendicité. Non, la fraternité, c'est un prolongement de l'égalité. Le Conseil constitutionnel a décidé, en juillet 2018, de remettre la fraternité à côté de la liberté et de l'égalité dans la Constitution. Et je vois pas comment la liberté puisse s'exprimer sans la fraternité. La fraternité, c'est se sentir d'égal à égal, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, et quel que soit son statut social ou son statut administratif. Non, je pense pas que la migration soit une chance. Je pense que la migration, c'est un drame. C'est des gens qui n'ont pas choisi d'être là. C'est des gens qui sont déracinés, c'est des gens qui sont coupés de leur famille, de leurs enfants. C'est des gens qui ont perdu des proches. Et c'est des gens qui arrivent ici... fracassés, sans l'envie d'être arrivés ici. Ces gens vont rester là. Qu'on le veuille ou non, ces gens resteront là. Non, il n'est pas possible de retourner un Érythréen, non, il n'est pas possible de retourner un Soudanais dans son pays d'origine. C'est des gens qui vont rester là, avec ou sans papier. Les conséquences, en fait, du statut administratif des personnes, les empêchant de travailler, pour les personnes qui sont déboutées, les personnes qui sont refusées d'asile, ou à qui on ne donne pas la possibilité de se régulariser. Les conséquences que ça donne, c'est travail au noir, délinquance, on sait tous ces schémas, on les connaît. Donc c'est pour ça que le débat politique doit s'ouvrir aux personnes qui ne comprennent pas
nos actions, mes actions de militant par exemple, et de leur expliquer que quand on accueille, on permet aux gens de s'intégrer. Quand on voit que la migration sert pour beaucoup de politiques et d'outils fédérateurs, fédérés par la peur. Voilà. Se servir de la migration pour fédérer par la peur. Ces gens qui, comme beaucoup, je dirais pas de nom peut-être, mais comme certains politiques que je connais assez bien, qui utilisent la migration pour faire un parallèle avec le terrorisme, dire attention, derrière chaque migrant se cache une menace pour la France. De déconstruire tout ça, c'est long. 5 secondes de prise de parole pour une personnalité politique contre la migration. Nous, il nous faut 20 minutes pour déconstruire tout ça. Pour expliquer, rassurer, montrer. Montrer qui sont ces gens. Montrer que la migration, c'est pas les migrants. Les migrants, ce sont des individus différents, des histoires singulières, des histoires particulières. Que d'utiliser la migration à des fins de politique, d'utiliser la migration pour faire peur aux gens, pour les détourner des problèmes réels, ben ça va être compliqué, ça va être long certes. Mais en tout cas, c'est notre devoir de le faire. C'est notre devoir de le faire pour pas salir ce qui reste de cette belle France, pour ne pas avoir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, se justifier face aux enfants de ces gens. Parce que ces gens vont rester en France, ces gens vont avoir des gamins, des enfants. Ces gens vont construire, vont travailler, vont avoir une maison, un appartement, une société aussi peut-être, vont finir boulanger, plombier, avocat, je sais pas. Et dans pas longtemps, on devra justifier face à eux. Se justifier et d'expliquer pourquoi la 7e puissance mondiale les a inconsidérés, pourquoi la 7e puissance mondiale les a blessés. Ces gens qu'on blesse, qu'on devra reconstruire par la suite, ces gens qu'on laisse à la rue pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'on relogera de toute manière par la suite. Ces gens qu'on est en train de détruire et qu'on sera obligé de reconstruire. Quand je vois les gamins qui sont arrivés par chez moi, plein d'envie, plein de volonté, des gamins qui avaient envie d'aller à l'école, d'avoir un métier, et de voir ces gamins, 6 mois, 1 an, 2 ans après, complètement ravagés, traîner dans les rues de Paris, à Calais, là je me dis, mais est-ce que c'est ça que une gestion politique digne de ce nom. C'est sûr que ça va être long. Ça va être long de relever le débat. Mais le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de mettre sa pierre à l'édifice. Après, changer le monde, on n'arrivera pas à changer le monde, bien sûr. Mais changer les mentalités de ses voisins, ses nièces, ses enfants, même des fois. Et de discuter autour de soi et d'expliquer que ces gens n'ont pas choisi d'être là. Et que c'est à nous, à faire en sorte que la migration soit une réussite et non un échec. Cédric Hérou, sous vos applaudissements, et sous vos applaudissements également très nourris, encore plus nourris, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement une militante marseillaise qui a rejoint récemment la dynamique citoyenne de Génération après avoir été porte-parole de la France Insoumise, Sarah Swahili. Sarah, qui est une militante de longue date à Marseille, qui va nous parler de l'Aquarius arrimé dans le port de Marseille, faute de pavillon, qui va nous parler de solidarité à Marseille, qui va nous parler également du logement insalubre et de la lutte contre le logement insalubre à Marseille après le drame de la rue d'Aubagne. Et à ses côtés, je vais vous demander d'accueillir également très chaleureusement, vous pouvez également l'applaudir, Éric Pliez. Éric Pliez, éducateur spécialisé de formation, dirigeant de l'association Aurore depuis 15 ans, qui accompagne chaque année 38 000 personnes en situation de précarité et d'exclusion, et président du SAMU social de Paris depuis 2013, Sarah Swahili et Éric Pliez. Merci beaucoup, merci pour nous. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Comme on vient de le dire, je viens de Marseille. J'ai grandi dans les quartiers populaires de Marseille, les quartiers nord. Et j'ai envie de vous dire qu'à Marseille, on essaye de faire l'Europe depuis un peu plus de 2000 ans. Modestement, avec humilité, bien évidemment, mais on le fait. Je m'explique. S'il s'agit de faire coexister des gens, des êtres humains, des citoyens d'origine différente, de cultures différentes, d'accueillir humainement des êtres humains avec dignité,
Alors oui, Marseille est une Europe en miniature. Marseille est une Europe en miniature, avec son destin commun, sa colère face à l'injustice, mais aussi ses drames comme la rue d'Aubagne il y a quelques semaines, qui témoignent de la violence du mal logement en France et partout en Europe. Ainsi, à Marseille, comme dans beaucoup d'autres villes, beaucoup de gens souffrent. Et pour eux, l'Europe, c'est loin, c'est très très loin. On peut se demander où est-ce qu'elle est, l'Europe du quotidien, dans les quartiers populaires, comme on en a parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, l'Europe, lorsqu'on sait qu'il y a plus de 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté? Où est-ce qu'elle est, l'Europe, face à cette jeunesse qui galère tous les jours et qui ne croit plus? Où est-ce qu'elle est, l'Europe, lorsqu'on voit que des mères, des pères de famille se lèvent tous les jours à 4h, 5h du matin et qui n'arrivent même pas à finir les fins de mois? C'est pour retrouver cette Europe plus sociale, plus humaine, plus écologique que je me suis engagée aux côtés de la dynamique de génération et aux côtés de tous ceux et celles qui veulent faire changer l'Europe. Pour certains qui me connaissent, j'ai une passion, j'ai plusieurs passions, mais je suis aussi une athlète de kickboxing et de karaté. Et si je devais faire une comparaison avec la boxe, je dirais qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est dans les cordes. Elle se prend des coups, des crochets, des uppercuts par tous ceux qui veulent la détruire. Les nationalistes, le libéralisme. Prenez les gants, citoyens et citoyennes. Prenez votre destin en main. Remettez l'Europe au centre du ring. Donnez les coups pour ceux qui souffrent, ceux qui ne peuvent pas lutter, ceux pour qui la vie aujourd'hui est très dure, malgré le travail, ceux qui, tous les jours, pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Luttez, je crois en vous, on croit en vous, et je vous remercie encore une fois, et comme on dit à la boxe, courage, force et honneur pour les prochaines élections européennes. Bonsoir à tous. Moi, j'ai écouté Cédric et j'ai qu'un mot à dire, c'est accueillir les migrants, accueillir les réfugiés, c'est un devoir. C'est un devoir parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais pauvres, et c'est bien en s'occupant de tous qu'on fait société et qu'on fera société demain. Il y a 120 millions d'Européens en situation de pauvreté, c'est-à-dire 20% de la population européenne. On n'en parle pas, c'est pourtant la triste réalité. Les pauvres, on les voit, vous les voyez, je les vois dans les soupes populaires. Ils peuvent perdre très vite leur logement devenu trop cher du jour au lendemain. Ici, on les croise dans les rues, dans le métro de la capitale. Ailleurs, on les cache ou on les traque. Ils nous inquiètent. Et si demain, c'était moi? Alors, on les ignore, ils deviennent invisibles. Ou bien on les rejette, c'est l'autre, c'est inconnu, c'est étranger. Hier, c'était des hommes seuls. Aujourd'hui, ce sont des femmes, des familles, des enfants. Mineurs non accompagnés, disait Cédric. Ça veut dire sans famille, sans appui, vulnérables. La dignité, ça commence par avoir un toit, avoir de quoi manger, de quoi se soigner. Après, il faut des emplois, mais des vrais emplois qui ne créent pas des travailleurs pauvres qui viendront grossir le rang des pauvres. Il se passe des choses formidables en Europe. Il y a des réponses à la pauvreté, il faut nous en inspirer. En France, nous avons des filets sociaux qui fonctionnent encore. Vous savez que notre protection sociale fait qu'on a sans doute au moins 10% de moins de précaires et de pauvres qu'on devrait en avoir s'il n'y avait pas ces filets. Protégeons ces filets. Il faut se battre pour les garder et les étendre à l'Europe. Alors moi, j'ai un rêve. Je voudrais que nous fassions de la lutte contre la pauvreté la grande cause de l'Europe de demain. Je voudrais qu'on évite les expulsions. Je voudrais qu'on en finisse avec les bidonvilles, que le droit au logement soit le même partout et pour tous, que l'engagement des citoyens auprès des plus démunis fasse vivre l'idée de fraternité, on en parlait tout à l'heure, faire que personne ne reste sur le quai. Face aux démagogues, c'est notre obligation de porter un projet européen, solidaire et bienveillant,
qui réduisent les inégalités et la pauvreté. J'y crois, et vous ? Sarah Sahili et Éric Pliez, vous pouvez les applaudir encore plus fort. Et on va maintenant accueillir à cette tribune pour une troisième interpellation. Et c'est un honneur de l'avoir avec nous ce soir, un économiste américain hétérodoxe de grand renom. Il a été très proche, il est très proche de Bernie Sanders, très proche de Yanis Varoufakis. Vous pouvez accueillir avec des applaudissements nourris James Galbraith. Bonsoir, Génération S. Je vous apporte un petit mot de soutien d'un être étrange, c'est-à-dire d'un économiste américain. Bien que je ne suis arrivé en France que ce matin, on me demande déjà qui sont les gilets jaunes. Et je réponds à ce que je peux voir et savoir. Ce sont les enfants de la politique d'austérité qui dure déjà 30 ou 40 ans. Et qu'est-ce que c'est que l'idée de cette politique ? Payer à l'avance pour une transition illusoire, livrée à travers la bienveillance des riches, libérés du fardeau de leurs obligations sur l'impôt sur les fortunes. Mais c'est dingue cette idée. C'est dingue, ça va pas. Et non seulement que c'est dingue, ce n'est pas très original. C'est l'idée de Thatcher. C'est l'idée de Reagan. C'est une politique qui a été essayée et qui a échoué depuis des générations et surtout en Grèce. Et c'est à vous d'en finir. Ce qu'il faut faire, d'abord, abandonner l'idée fixe de l'austérité. Investir dans un New Deal vert pour démontrer la possibilité d'une transition écologique avec amélioration du niveau de vie pour tous et toutes. Renforcer les services publics, les assurances et les protections sociales et l'État-providence qui protège les vulnérables. Mettre en place un garantie d'emploi et en finir avec le chômage et s'en servir pour avancer une transition écologique juste et démocratique. C'est ça le sens commun de cette affaire. Et quand on vous dit le contraire, comme disait Keynes il y a presque un siècle, ce n'est pas seulement des bêtises qu'on vous dise, ça a l'apparence d'être des bêtises à tous, tout esprit simple et clair qui approche la question avec un esprit ouvert. Merci beaucoup et bonne route. Allez, on peut se lever pour James Galbraith.
On peut se lever, taper dans les mains, faire du bruit pour James Galbraith qu'on remercie d'être avec nous ce soir. Et je crois qu'il est un petit peu pressé. Du coup, pour réagir au témoignage de James Galbraith, je vais inviter un député européen, le seul ouvrier à être député européen, le seul ouvrier du Parlement européen, ancien syndicaliste de Florence, Édouard Martin. Vous pouvez l'applaudir. Et à ses côtés, on va accueillir également une économiste, porte-parole de Génération, Aurore Laluc. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, paraît-il que j'ai 30 secondes pour dire que Benoît Hamon, c'est de la dynamite. Ah non, merde, ça, c'était l'année dernière, ça. Cette année, c'est le regard éventuellement que je porte sur les gilets jaunes. Ça a été dit tout à l'heure. Moi qui ai passé toute ma vie en orange, je vais commenter un peu, donner un point de regard sur la crise des gilets jaunes. Crise ô combien justifiée et légitime, évidemment oui. Et j'en profite parce qu'il y a France Télévisions qui me suit pour dire à tous les gilets jaunes qui me disent « Mais Édouard Martin, t'es où, on te voit plus à la télé ?» Ben, le jour où je serai patron de chaîne, vous me verrez tous les jours. Donc je suis désolé. La crise des gilets jaunes, donc la crise de cette transition écologique, et on est plusieurs, on le dit avec force, avec Guillaume, avec Isabelle, avec d'autres, au Parlement européen et en France, il n'y aura aucune transition juste écologique si elle n'est pas sociale. Ça, c'est clair, c'est évident. Et donc, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, nous explique qu'il faut bien financer la transition écologique. Qu'il n'y a pas d'argent. Ah ben on va regarder deux secondes où est l'argent. Et avec Isabelle, avec Guillaume, avec d'autres, nous avons défendu depuis 2014 ce qu'on appelle l'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Ça veut dire quoi, l'ajustement carbone aux frontières de l'Europe? L'idée, c'est le pollueur-payeur. Eh bien, c'est effectivement de faire peser le prix de la transition écologique, l'obligation à l'investissement juste et propre, donc avec des personnels bien formés, donc bien payés, une industrie beaucoup plus moins émettrice de gaz à effet de serre. Eh bien, les libéraux, le parti dont Emmanuel Macron vient de rejoindre pour les européennes, l'ALDE, les conservateurs et d'autres, ont voté pour l'octroi, tenez-vous bien, de plusieurs centaines de millions de tonnes de droits à polluer gratuits. Gratuit, ça veut dire que les plus gros pollueurs, on leur donne encore des droits à polluer gratuitement. Et ces pollueurs, ils en ont fait une stratégie politique. Ils disent la chose suivante. La transition écologique, non seulement elle ne doit pas me coûter, mais elle doit me rapporter. La transition écologique est devenue pour eux un business. Il faut faire du fric avec la transition écologique. Eh bien, moi, je vais reprendre les propos de Margaret Thatcher lorsqu'elle disait « I want my money back ». Il faut que nous autres, on dise à Emmanuel Macron, à ses industriels, « I want my quota back ». Parce que là, il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros avec lesquels on pourra assurer une transition écologique sans faire payer et faire les poches des Français. Voilà. Et c'est le débat, c'est le message qu'on défend au Parlement européen. Et c'est maintenant l'heure de la vérité. Il faut que Emmanuel Macron, très rapidement, nous fasse un état des lieux de tous les quotas gratuits qui ont été octroyés aux industriels et faire que cet argent-là aille à la transition écologique et on pourra faire en sorte d'augmenter les salaires des plus faibles. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les comités locaux que j'ai pu aller voir, ça là, Périgueux et j'en passe. Bonsoir les comités locaux que je n'ai pas pu aller voir et qui sont sympas parce que vous ne m'en voulez pas trop. Parce que vous savez que j'ai une fille, j'ai un boulot, j'ai les plateaux télé et que ouais, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Merci à tous de votre bienveillance. J'étais hyper heureuse de vous rencontrer physiquement ou par messagerie instantanée, comme vous faites parfois un peu trop tard, par contre, le soir. Des fois, un petit peu moins tard, ce serait sympa. Alors,
On m'a demandé de parler de dérèglement climatique. Ouais, je sais. Ben, le dérèglement climatique, ça peut être aussi une chance, fondamentalement, bizarrement et paradoxalement, pour l'Europe. Ça peut être la chance de mettre en place le plan d'investissement dont parlait tout à l'heure Guillaume Ballas, dont parlait à l'instant mon papa spirituel, James Galbraith. C'est une chance pour l'Europe parce que ça nous, peut nous permettre d'investir. Parce que oui, la transition écologique, ça passe pas forcément par une taxe. Une taxe, ça n'a jamais rien sauvé. C'est sympathique au demeurant, mais ça ne sauve pas. Par contre, les institutions gauchistes, comme la Banque mondiale, comme l'OCDE, comme le Fonds monétaire international, nous disent investissez en Europe, investissez dans la santé, investissez pour lutter contre les inégalités, investissez pour rénover, pour lutter contre la précarité énergétique. Parce que je vous rappelle que la question écologique, c'est pas un truc de bobo, c'est un truc de pauvre. Je vous rappelle que ceux qui polluent le plus, ce sont les plus riches. Et je vous rappelle que ceux qui subissent le plus la pollution aujourd'hui et qui la payent le plus de la santé et de leur poche, ce sont les plus pauvres. Alors donnons cette possibilité à l'Europe de créer un beau projet, de se relever de ses cendres. Et créons ce Green New Deal. Alors, ce Green New Deal, ça fait pas forcément rêver, comme ça, ça fait un peu truc de techno. On se dit, ouais, Aurore, elle nous fait chier encore avec ces trucs d'économistes. Mais rappelons-nous un peu la référence historique. Le New Deal, c'est quoi? C'est les années 30. C'est Roosevelt. C'est Roosevelt, son pays, il est à terre parce qu'il y a eu une crise économique. Et il n'a pas d'État fort derrière lui. Il n'y a pas d'État-providence. Et au lieu de se serrer la ceinture, il dit, les gars, on va investir. On va investir d'ailleurs dans l'environnement, dans le social. Il va jeter les bases d'un État-providence. Et je vous signale que, durant ces années 30 assez sombres, il y a un grand pays qui n'est pas passé par la xénophobie ni par le fascisme, et ça s'appelle les États-Unis. Alors certes, ils avaient plein d'autres problèmes, mais ils n'ont pas eu cette dérive-là. Donc rappelons-nous-en. Rappelons-nous aussi que c'est possible en Europe de le faire, contrairement à ce qu'on nous dit. Depuis la crise financière, je rappelle que la Banque Centrale Européenne, pour sauver les banques, a créé entre 4 000 milliards et 6 000 milliards pour sauver le système bancaire. Ce qu'elle a fait pour les banques, je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui lui interdirait aujourd'hui de le faire pour sauver la planète et sauver accessoirement l'humanité. L'Europe, non seulement elle peut le faire, mais elle doit le faire. Elle en a la responsabilité parce qu'on ne va pas faire tenir longtemps les gens, on ne va pas les faire rêver longtemps autour de la réduction des déficits publics. Comment on a pu imaginer qu'on allait mobiliser et faire rêver, faire pétiller nos yeux autour des 3% et des 60% de dette? Il nous faut un autre projet que l'austérité, qui tue en Grèce. Et Yanis pourra en témoigner, qui étouffe nos démocraties. Et qui n'est pas bonne non plus pour l'environnement, parce qu'elle ne nous permet pas de créer les bases d'une transition écologique. Alors pour ça, il va falloir être fort, il va falloir sortir de notre torpeur, parce que les problèmes européens, ils ne sont pas institutionnels fondamentalement. Ils sont surtout idéologiques, ils sont surtout politiques. On nous fait croire depuis des années qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que des alternatives. Il faut juste qu'on garde en tête cette formule de Sénèque. C'est pour mon côté intello que je dis ça, c'est pour faire intello, je maintiens mon image. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça traduit aujourd'hui ce que nous vivons. Alors soyons pragmatiques, changeons tout, avec les comités locaux, avec les membres de Génération, et commençons tout de suite par changer l'Europe. Changer l'Europe. Édouard Martin, Aurore Laluc, que vous pouvez applaudir. Aurore Laluc qui nous invite à changer l'Europe. Certains s'échinent à le faire au Parlement européen depuis plusieurs années. Et on va d'ailleurs accueillir, après Édouard, après Guillaume, une troisième parlementaire européen à cette tribune. Isabelle Thomas, que nous allons accueillir maintenant avec, pour le collectif national Diem 25, Jacques Ternoir également qui va nous rejoindre, et vous pouvez applaudir également très chaleureusement Isabelle Thomas et Jacques Ternoir.
Merci à tous d'être présents. Alors, avec l'Europe, on nous avait en quelque sorte promis la Lune. Ils avaient parlé de paix, ils avaient parlé de solidarité, ils avaient parlé de prospérité, ils avaient parlé de démocratie. Que reste-t-il aujourd'hui de cette promesse ? Une Europe confisquée. Confisquée par les nations, confisquée par les multinationales, confisquée par les banques, confisquée par le business. Et leurs tristes associés. La pollution, le profit à tout prix et la misère humaine. Depuis des décennies, maintenant, leurs complices libéraux ont pris les commandes de l'Europe et ont fait de l'Europe, en quelque sorte, des pantins, un pantin, en charge de faire leur sale boulot. Leur sale boulot, c'est la liquidation des services publics. C'est les réformes structurelles contre les droits sociaux. C'est l'accaparement des richesses et des biens communs. La baisse de la dépense publique, en quelques mots. L'austérité pour 99% d'invisibles et le profit pour le pourcent insatiable restant. Ça suffit. Ça suffit. Mesdames et messieurs de l'oligarchie, sachez-le, la fête est finie et les élections européennes sont le premier acte, le premier moment et le moyen de prendre le contrôle de la machine. Alors pour bâtir l'Europe dont parlait Sarah tout à l'heure et bien d'autres, pour bâtir cette Europe, nous avons avec Yanis, avec Lorenzo, avec Agnieszka, avec partout en Europe, construit un premier lien de solidarité, un premier mouvement même, un mouvement transnational, avec l'espoir qui revient avec ce mouvement, pour une Europe qui portera les aspirations des citoyens, qui répondra efficacement aux défis de notre temps, réduire le réchauffement climatique, redistribuer la richesse, accueillir les migrants, protéger l'air, les sols et les océans, garantir les droits des travailleurs, imposer la justice fiscale, accompagner socialement la décarbonisation et surtout préférer la solidarité à la concurrence et au marché. Réaliser l'égalité, celle des femmes et des hommes, celle des territoires et celle des générations. Ce projet, c'est celui que porte le printemps européen de Varsovie à Lisbonne, de Copenhague à Athènes en passant par Paris, sortir enfin de cet hiver interminable et se dire, puisque nous n'avons pas eu la Lune, eh bien nous aurons les étoiles. Merci. Bonsoir à vous tous. Merci Isabelle. Je trouve ça assez fantastique, cette affluence et le nombre de jeunes qu'il y a ici. Et je pense à une chose, c'est que partout en Europe, il y a des gens comme vous qui souhaitent transformer l'Europe, qui souhaitent de nouvelles politiques, de sortir de l'austérité, développer les solidarités, on vient de le voir. Moi, je suis... Donc, j'ai rejoint DiEM25 il y a déjà 2 ans. Et je crois que vraiment, ce qui me paraît excessivement important, c'est de construire des liens avec les autres Européens, et notamment les autres Européens qui sont comme vous. Si nous avons lancé l'idée du printemps européen et Génération a été la première, ou pratiquement la première, le premier mouvement à rejoindre, c'est parce que nous croyons vraiment que seul le niveau européen permettra de répondre à un certain nombre de problèmes qu'on rencontre, et notamment les questions de solidarité sociale, évidemment, mais aussi la question des migrants. Il se trouve que je suis rentré il y a très peu de temps d'Afrique centrale et j'ai vu ce que vivaient les migrants. J'ai parfois essayé de dissuader des jeunes
de partir pour l'Europe en leur disant que c'était mortel, c'était un péril mortel, mais ils n'avaient pas d'issue, aucune issue chez eux. Et donc, cette question des migrants, c'est la honte de l'Europe aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui devrait nous rassembler et qui nous divise. Et je pense qu'on a, de ce point de vue-là, un énorme travail à faire avec tous les partenaires de l'Alliance du Printemps européen pour transformer ces politiques, notamment les politiques migratoires. Et bien entendu, il y a d'autres aspects qui sont les questions de droits sociaux, les questions de solidarité intra-européenne qui, pour l'instant, est en train de se déliter. Et je pense qu'il y a une chose qui nous menace. Les mouvements d'extrême droite, les mouvements fascistes qui sont en train de gagner l'Europe, c'est à nous de les combattre, c'est à nous de les repousser par des propositions qui prennent en compte les attentes des citoyens européens, notamment sur la justice sociale, sur la justice fiscale, sur le droit à l'emploi, pardon, et le droit à l'emploi et les possibilités d'obtenir des logements, d'avoir accès correctement aux services publics. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure le fait qu'il y a en effet des amortisseurs qui ont permis à la France de moins souffrir, des amortisseurs économiques qui ont permis à la France de moins souffrir de la crise, mais ces amortisseurs, on est en train de les détricoter. Et surtout au niveau européen, mais aussi au niveau français. Et je pense que vraiment, il y a un travail à faire en commun pour partager ces dynamiques. Je salue Génération, je vous salue tous, parce que je pense que c'est avec une dynamique comme celle qu'on constate ce soir qu'on pourra faire évoluer les choses. Et je souhaite, alors je sais que c'est retransmis un peu partout, éventuellement en Europe, mais l'événement de ce soir, je souhaite qu'on multiplie ces événements au niveau européen pour renforcer. Et je préciserai simplement une chose. Le programme politique du printemps européen est élaboré de manière participative avec l'ensemble des partenaires. Et je pense que ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est-à-dire que, pour une fois, on a un programme politique, c'est-à-dire économique, social et environnemental, qui est l'œuvre de tous les Européens, enfin en tout cas de tous les partenaires européens. Merci. Isabelle Thomas et Jacques Ternoir, que vous pouvez applaudir. Je vous rappelle que vous pouvez partager cette soirée avec celles et ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Les hashtags Hope is back et l'espoir revient, en anglais ou en français, c'est au choix. Et vous pouvez également et surtout partager le Facebook Live. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui aurait souhaité être avec nous ce soir et qui n'a pas pu rentrer dans la salle. Et je pense que c'est bien de leur faire signe, de leur envoyer des messages par Twitter, par Facebook, par tous les réseaux sociaux. Je voulais quand même qu'on salue et qu'on les applaudisse, les plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer, la salle étant trop petite ce soir. Jacques Ternoir et Isabelle Thomas, à l'instant, nous disaient, et ils ont raison, qu'à Lisbonne, on veut changer l'Europe, qu'à Madrid, on veut changer l'Europe, que partout en Europe, on veut changer l'Europe. Je voulais vous poser une question, est-ce que vous pensez qu'à Paris et que dans toute la France, on veut changer l'Europe? Est-ce que vous pensez au cirque d'hiver ce soir qu'on veut une Europe plus solidaire, une Europe plus écologique, une Europe plus fraternelle? Je peux vous dire que si nous, on veut changer l'Europe à Paris et dans toute la France, il y a un endroit en Europe où on veut encore plus la changer, c'est à Athènes et en Grèce. Et je vais vous demander maintenant d'accueillir à cette tribune, en vous levant, s'il vous plaît, un universitaire reconnu mondialement, ancien ministre des Finances grec. Il s'est battu contre la Troïka. Il s'est battu contre le dogme austéritaire européen.
Il est avec nous ce soir. Vous pouvez lui faire un triomphe. Yanis Varoufakis. I am here because you are bringing hope back in France. I am here because together we are bringing hope back in Europe as the European Spring. And I'm here with a few messages for you. The first comes from my people, the people of Greece, the great, the grand laboratoire de l'austérité. I'll say it in French. French. I bring you, however, a message also from our sister party in Germany, Demokratie in Europa. I bring you a message from DM Vincent, from France, from Spain, from Portugal, from Britain, which is not leaving Europe. It may be leaving the European Union, but we will always keep them together with us in our pan-European project. But comrades, I'm also bringing you a message of solidarity from the democratic socialists and ecologists of the United States of America. Last weekend, with Jamie Galbraith, we were in Vermont, with Bernie Sanders, with the mayor of New York. DM Vincent was there, Generation was there, because we are together as the European Spring. And we set up the Progressive International. We are everywhere. Our only limit is the limit of our own ambition. And there are no such limits here tonight. Let's talk about France. In 2015, my people in Greece were crushed. Why? Because they wanted the Troika in Paris. And they got it. It lives in the Élysée. It lives in Mr. Macron's government. This is where the Troika lives today. They practiced it on us first, and they brought it to you now. Mr. Macron's government is a socialist government. They believe in socialism for the bankers and for the very rich. And they reserve austerity for the many, and for the planet, for the environment. Some time ago, I was talking to a very good green ecologist Frenchman, Mr. Nicolas Hulot, when he was Minister of the Environment. As minister, he confirmed that this government, his government then, was not putting 1 euro into the environment. They expect the many, the poor, not to pay only for the banks, but also for the environmental destruction that the rich are perpetrating upon the planet. But just to remember my Greek heritage for a moment,
Nemesis always follows hubris. And the gilets jaunes are Mr. Macron's nemesis. I know that many of you, of your splendid movement, joined the gilets jaunes in various parts of France that resemble Greece. Because there are many Greeces in France. There are many parts of France under a state of depression. Many of you joined them. It is a spontaneous movement with all the problems of spontaneous movements. But it is the reaction to a policy of austerity for the many who are then asked to pay for the environment when the payment of our dues to the environment was never their objective. Today the government is telling the people of France, stop protesting. Go back home. Enough. This is what they were telling us in Greece. And what did we say to them? No. And you will say no again. But, comrades, no is not enough. We need a plan. And we need a plan to base a dream on. And the dream of an ecological, socialist, progressive France, Europe, world, needs a new deal. It needs a new Green Deal for France, for Germany, for Europe, indeed internationally. Our movement, Generation, and it is our movement, together with DiEM Vincent, together with Razem in Poland, all the members of the European Spring, we have this plan. It's called the New Deal for Europe, that together we have been putting together for a year now, with Benoît Hamon, with Isabelle Thomas, with Guillaume Balas, with all our comrades from DiEM25 across Europe. We have the plan. Now what we need is to bring it out there and to tell those who are suffering, those who are protesting, that their no, their disobedience must go hand in hand with a constructive pan-European agenda for green social progress. Our plan explains how we are going to be putting 500 billion euros every year into the green transition without taxes. And when it comes to the carbon tax, when it comes to the fuel, to the diesel tax, we are going to pursue a neutral tax. The money that is collected should be returned fully to the poorer members of society, and then they can choose the green technologies that they will invest on in order to be part of the solution. And this is only the beginning, because now we are taking France, we are taking Germany, we are taking Greece, but with a progressive international. Remember, climate change, poverty, debt, banking is international, fascism is international. We have to take the world together with AMLO, the new president of Mexico, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, our comrades in Africa, our comrades in Asia. We have to take this worldwide.
there is much to do, but we are bringing hope back. So, vive Génération, vive DiEM25, vive the Progressive International, vive la France! Vous pouvez faire encore plus de bruit pour Yanis Varoufakis. C'est écrit sur l'écran, c'est écrit sur les pancartes, c'est écrit sur ce que vous avez sur vos chaises. Hope is back, l'espoir revient. Alors maintenant, vous allez lever les pancartes, vous allez agiter les drapeaux génération, les drapeaux européens. Vous allez rester debout pour ceux qui sont déjà debout. Vous allez vous lever pour les autres, vous allez faire du bruit. Vous allez accueillir dans quelques instants celui qui porte avec constance dans le débat public le revenu universel d'existence, l'attaque sur les robots, la transition écologique, la 6ème République, celui qui a pris ses responsabilités pour l'Europe, pour que l'espoir revienne. Chers amis, du bruit et encore plus de bruit pour Benoît Hamon. Merci beaucoup. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Tout était écrit, tout figurait sous nos yeux depuis des décennies dans ce poème écrit par Primo Levi. Si notre maison commune, le civisme, l'altruisme, les piliers de notre société s'écroulent, si notre jeunesse se détourne de nous et du monde invivable que nous lui préparons, si demain la peste s'abat sur la République, ce sera parce que nous avons oublié collectivement notre humanité, au point que des millions de femmes et d'hommes ont perdu l'espoir. Je choisis délibérément de parler au futur et pas au présent, car je le désire comme vous, de contrarier les fléaux qui s'annoncent et de percer le ciel noir au-dessus de nos têtes, de la lumière de notre confiance invincible en l'humanité et de l'intensité de nos valeurs fraternelles. Mais cela n'empêche pas la lucidité. Nos sociétés se sont déshumanisées et la France est en ce moment même éclatée. Éclatement territorial entre sanctuaires de riches et ghettos de pauvres, entre centre-ville, banlieue, périphérie et monde rural. Ségrégation scolaire dès la naissance, puis à vie entre diplômés et non-diplômés, triés, jetés par Parcoursup comme on sélectionne les bêtes à la foire.
apartheid social entre les plus riches, les travailleurs précaires qui ont peur du déclassement et ceux qui ont déjà décroché socialement. Et chaque jour, la vague montante de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, de la haine des musulmans. Cette société éclatée ne peut produire que de la violence. Alors jusqu'à quel degré d'éclatement ? Quel niveau de violence sociale, politique, verbale puis physique accepterons-nous de laisser dériver la France ? La République doit retrouver de la dignité. La démocratie doit retrouver de la sérénité. Et ce président, qui a toujours le mépris aux lèvres, le prétentieux de la République, doit enfin comprendre, lui qui se trouve trop intelligent pour ce peuple, à qui il préfère donner de la communication et des leçons plutôt que de la justice, il doit comprendre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas sa passion de l'argent, des winners, son culte de la compétition qui réenchantera la politique. Ce que les citoyens demandent n'a pas de prix, ne s'achète ni ne se vend. Cela s'appelle le respect. Et puisque je parle de violence et de respect, je le dis parce que c'est ma conviction profonde et un mal de notre époque, je n'accepte pas la façon dont sont traités les journalistes dans notre pays. Les pressions des puissants d'une part, les insultes dans la rue et les huées dans les meetings politiques, tout cela montre à quel point notre démocratie est malade. Et nous porterons au niveau européen et national une législation de protection des journalistes, mais aussi des lanceurs d'alerte. Pour que plus un seul d'entre eux ne subisse ou le poids des actionnaires ou ne soit physiquement menacé lorsqu'il fait simplement son travail. Je veux le dire avec fermeté, on peut parfaitement critiquer le travail de la presse, c'est le débat démocratique. On a le droit de ne pas aimer un journaliste ou un papier, c'est possible. Mais j'avertis la classe politique qui souffre sur les braises. Ne touchez pas aux journalistes au nom du fait qu'ils sont journalistes. Laissez-leur faire librement leur travail d'information. Car leur liberté, c'est la nôtre. Surtout, et je veux insister sur ce point, la violence se propage quand le monde décrit. Dépeint dans les discours des élites économiques, n'a plus aucun rapport, plus aucun lien avec le réel de la vie des citoyens. Dans leurs discours, écoutez-les, le malheur lui-même devient acceptable parce qu'il est virtuel. Nous sommes chaque jour confrontés à des chiffres si grands dans leurs discours qu'ils finissent par nous écraser. 1% des hommes détient 80% de la richesse mondiale. 2000 milliards de dettes financières en France, pourtant 80 milliards d'évasion fiscale par an. Éric Pliez le disait tout à l'heure, 120 millions de pauvres en Europe. 400 000 morts dans l'Union européenne à cause de la pollution de l'air. 12 millions de Français en précarité énergétique, je pourrais égrener des chiffres tout aussi fous. Gros, impressionnant que cela. Mais dans leur bouche, ces chiffres ne sont pas des faits. Il n'y a aucune personne derrière ces chiffres. Il n'y a aucun drame. Ils ne sont pas réels, et d'ailleurs ce sont désormais des chaînes qui nous entravent, des murs qui nous enferment, et nous donnent à penser que nous n'avons plus aucune prise sur notre propre réalité, ni sur notre destin individuel ou collectif. Alors à quoi sert la politique si ce sont les chiffres qui gouvernent ? Se demandent à juste titre des millions de nos concitoyens en France et en Europe.
Et pour cause. Lorsque Galilée mathématisa le monde à la Renaissance, il pensait quoi ? Donner des outils à l'humanité pour comprendre ce monde et maîtriser sa vie. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les sachants, les experts, ceux qui devraient donner des clés de compréhension aux citoyens, les lui confisquent pour lui confisquer quoi ? Ce qu'il y a de plus précieux, le pouvoir démocratique. La technostructure, en France et en Europe, alliée aux grands intérêts économiques, dans une même caste de nouveaux oligarques, ce que Jamie Galbraith appelait l'État prédateur. Ceux-là ont décidé de voler le savoir pour capter quoi ? Le pouvoir qui devrait revenir aux citoyens. Prométhée avait volé le feu aux hommes pour le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Jupiter, lui, est le symbole de cette petite énarchie qui ne travaille que pour une toute petite élite désormais. Alors, quel est le contraire de la connaissance ? Quel est le contraire de la connaissance ? Ce n'est pas l'ignorance, c'est la certitude. La certitude de tous ces gens sérieux qui nous expliquent tranquillement, doctement, que 3% de déficit public sont plus dangereux pour nos existences que 2 degrés supplémentaires pour la planète. Ces experts économiques qui, quand des milliers de chercheurs scientifiques démontrent que l'humanité risque de s'éteindre, nous expliquent qu'il faut d'abord gérer la dette financière. D'abord la dette financière. Le climat, on verra après. Et qui ne comprennent pas que, pour savoir si ce monde sera encore vivable demain, nous préférons tout simplement consulter un thermomètre plutôt que ces brillants astrologues qui n'ont su prédire aucune des crises qu'ils ont provoquées eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, sans discussion possible et sans attendre, l'Europe doit décréter l'exception climatique pour tous les investissements publics consacrés à la transition écologique. Je défendais déjà cette proposition lors de l'élection présidentielle, mais le système totalement hermétique au sommet des institutions européennes comme françaises nous a encore fait perdre 2 ans sur ce terrain-là. Ce système, c'est le système technicien dont parlait Jacques Ellul il y a déjà 40 ans. Un système sans autre perspective que sa propre croissance. Produire plus, consommer plus, détruire plus. Un système qui aliène l'homme et la nature, sans aucune considération du bien-être des citoyens, sans aucun contrôle démocratique de leur part, sur lequel même les plus fameux experts n'ont plus de prise, un monde chiffré, bientôt livré aux algorithmes, que plus personne ne comprend. Alors dans ce monde, comment ne pas voir ? Comment ne pas comprendre que beaucoup de citoyens soient perdus ? Perdus dans des vies éclatées. Perdus mais pas dupes. Pas dupes du tout. Parce que chacun pressent, expérimente déjà que derrière les algorithmes de la finance internationale, il y a l'ubérisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'ubérisation ? L'appauvrissement extrêmement concret de nos vies, de nos métiers, de nos emplois. Et puisque des gens sérieux aiment les chiffres, nous allons leur en donner pour illustrer justement cet appauvrissement. Parce que oui, et citons-les et nommons-les, name and shame, comme on dit aux États-Unis. Derrière les profits titanesques d'Amazon, il y a quoi ? Il y a l'ouvrier en burn-out transformé en robot ou en esclave. Mais pas besoin d'aller chercher une entreprise américaine. Vous connaissez la banque du monde qui change ? La jolie petite banque verte qui vante le positive banking. 12 milliards d'euros investis dans les énergies fossiles dont le charbon.
c'est-à-dire autant de forêts, d'espèces végétales, animales qui disparaissent, autant de degrés de plus pour le réchauffement climatique. Merci BNP Paribas. Et si vous voulez redistribuer la richesse, il y a une petite idée parmi beaucoup. À Monsieur Macron, pour Monsieur Macron, si tant est qu'il ait encore les oreilles que ne lui ont pas encore apporté la maternité Leblanc. Mais on va essayer quand même. Une petite idée. Ce que nous proposons, c'est simple. Ou interdisez aux banques françaises d'investir dans les énergies fossiles. Ou taxez 100% des gains des intérêts qu'elles perçoivent en contrepartie de ces investissements. Et vous verrez que ça changera. Faites-le. Alors oui, oui, derrière les 50 000 postes de fonctionnaires supprimés par M. Macron, il y a qui ? Il y a quoi ? Il y a l'infirmière qui doit faire 20 heures de garde et changer 80 patients toute seule. Il y a aussi l'enfant de Seine-Saint-Denis qui, du primaire à la terminale, retenez bien ce chiffre, passera au total une année entière de sa jeune vie sans professeur à cause du manque d'effectifs. Oui, derrière les milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, il y a l'étudiant qui perd les APL, le retraité qui paye de la CSG en plus, le travailleur qui perd sa ligne de chemin de fer et en même temps voit son carburant augmenter. Alors ce président kérosène qui préfère ceux qui se baladent en jet privé à ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler, est aujourd'hui violemment confronté à l'irruption du réel. Et que voyons-nous ? Que voyons-nous avec les gilets jaunes comme ailleurs avec Occupy Wall Street ou comme avec Mohamed Bouazizi, ce jeune marchand de fruits qui déclencha les révolutions arabes en s'immolant de désespoir face à la vie chère ? Que voit-on ? Des citoyens qui disent « Pourquoi consentir aux règles communes, à l'impôt commun, puisque nous sommes oubliés de tous ?» Assez de ces élites hyper connectées entre elles, mais déconnectées de nous, qui ne comprennent rien à la réalité violente, à l'injustice sociale, fiscale, permanente, à la faim qu'elles nous imposent. Assez. Et l'image qui me vient est celle du fracking, cette technique de fracturation hydraulique, des élites voraces, prêtes à fracturer le sol, à l'abîmer, à l'épuiser pour épuiser leurs richesses, et qui s'étonnent de voir surgir en retour la flamme et l'explosion. Oui, oui, comme l'a dit Yanis Varoufakis tout à l'heure, comme l'a dit avant lui Jamie Galbraith, ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues, c'est que s'y retrouvent, avec toutes sortes de mots d'ordre, les enfants de l'austérité, les enfants du néolibéralisme, les enfants d'un monde dans lequel on casse les services publics, on casse le droit du travail, on exige de ceux qui peuvent le moins des sacrifices supplémentaires. Et je vais vous le dire, cette colère ne nous est pas étrangère, et je le dis aux Français, nous ne sommes pas à côté d'elle. Cette colère, nous l'exprimions déjà hier, nous l'exprimons encore aujourd'hui, dans nos diagnostics sans concession, dans notre exigence systématique de vérité, dans la radicalité des solutions que nous mettons en débat. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les pauvres pour des feignants. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les travailleurs pour des charges. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les services publics pour des coûts et les Français pour des réfractaires au changement. Oui, nous sommes en colère, et depuis longtemps. Colère contre ce gouvernement qui fait de l'écologie un bouc émissaire alors qu'il y a urgence climatique. Quelle honte, mais quelle honte d'avoir ainsi massacré ce qui est au cœur de notre communauté de destin. Quelle honte d'avoir ainsi opposé écologie et social alors que l'écologie, c'est le social. Aujourd'hui en France, c'est le mépris qui est au pouvoir. Et je voudrais vous partager une lecture que j'ai faite hier d'un,
un auteur que j'aimais beaucoup et dont j'ai lu La Tribune hier, un texte magnifique d'Édouard Louis. Et il dit aux gens bien nés qui réduisent le mouvement des Gilets jaunes à une horde raciste et homophobe, et il y a des racistes et des homophobes aussi dans ce mouvement, mais on ne peut pas le réduire à cela. Le peuple est dans la rue et il ne peut pas être réduit à cela. Et il disait, chaque fois que vous insultez un gilet jaune, vous insultez mon père. Et oui, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en lisant ce texte. Parce que c'est parfois d'autres qui mettent des mots sur ce que vous ressentez. Oui, ces corps, ces voix qui n'étaient jusqu'ici que des ombres, font irruption dans l'espace public. Dans l'arène politique, au corps défendant de qui ? De ceux qui monopolisaient la scène et la parole jusqu'ici. Et moi, je vais vous dire, j'ai vu et j'ai entendu le monde d'où je viens. J'ai vu et j'ai entendu le monde d'où je viens. Des femmes et des hommes au visage familier, des pudiques, des taiseux, des laborieux, qui aujourd'hui s'arrachent à la routine pénible de leur vie pour secouer quoi ? Le joug de l'injustice. Le joug de l'injustice. Alors, parfois, c'est vrai, et notre responsabilité est de le dire, il se trompe et de colère et de cible. La violence abîme leur mouvement, et je la condamne sans réserve. Mais, et j'assume ce « mais », je mets en garde ceux qui voudraient dissoudre le peuple parce qu'il ne leur plaît pas. L'idée que je me fais de la responsabilité de l'État, c'est de regarder en face ce mouvement, de comprendre, d'écouter, de dire ce que nous croyons juste et de répondre avec du respect et non avec des grenades assourdissantes à un mouvement social soutenu massivement par les Français. Mais la gauche, et nous ne serions pas à Génération si je ne complétais pas ce que je viens de dire par ce qui va suivre. Mais la gauche doit aussi s'interroger sur ce que cette explosion de colère dit d'elle. De son vide, de son incapacité à incarner des mots d'ordre qui devraient être les nôtres. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, meilleures conditions de vie, baisse des inégalités. Pourquoi tant de citoyens si nombreux ont-ils choisi de mener ce combat en dehors de la gauche ? Sans elle, parfois contre elle. Parce que la gauche, elle aussi, a renoncé au réel après avoir renoncé à l'idéal. Et j'irai plus loin, la République vit une crise grave et on la vit presque heure par heure. Une crise grave parce que la gauche a disparu. Si elle vacille, si elle est unijambiste, c'est qu'il y a un scénario manquant aujourd'hui, celui de la gauche. Depuis 200 ans et le vote sur la mort du roi, notre pays débattait dans la clarté entre la droite et la gauche. Mais depuis des années, l'oligarchie et la technocratie ont chassé, les idées du pouvoir, ont désidéologisé la politique pour asseoir leur emprise. Plus rien ne serait de droite ou de gauche. Tout serait efficace ou inefficace. Et la gauche s'est perdue à force de n'être que gestionnaire, supplétive des forces de conservation d'un système injuste. Regardons la réalité en face. Elle a préféré pour le pays la petite gestion à une grande ambition. Quelle défaite idéologique. Alors, pas toute la gauche, allez-vous me dire. Bien sûr, pas toute la gauche, sinon on ne serait pas là. Mais
Mais moi, je préfère regarder la réalité en face que de plonger ma tête dans le sable et de rester dans le déni en considérant que tout ce qui arrive n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant, n'a rien à voir avec les mots qui ont été utilisés, n'a rien à voir avec les lois El Khomri qui ont désespéré le monde du travail, n'a rien à voir avec la déchéance de nationalité qui ont désespéré les citoyens, n'a rien à voir avec le CICE qui a détourné 40 milliards vers les entreprises et les dividendes, alors qu'ils auraient dû aller vers les salaires, les travailleurs et la transition écologique. Quelle défaite idéologique ! Quelle défaite idéologique ! Et j'espère que ceux qui doivent entendre cela n'ont pas les mêmes oreilles que M. Macron, et qu'ils entendent que nous regardons la réalité en face. Les défaites idéologiques comme l'incapacité à avoir le cœur qui se soulève devant la montée de la pauvreté et des inégalités dans ce pays. Cette indifférence, elle a parfois été aussi dans les mots d'une certaine gauche. Alors, je devrais prendre garde quand même en disant tout cela. Parce qu'il suffit que je dise ce soir solidarité, il y a des commentateurs qui vont dire... Discours de Hamon ancré à gauche. Hein. Si je dis égalité, discours très à gauche de Hamon ce soir. Et alors si je dis fraternité, oulalalala, discours, mais alors très 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 à gauche de Hamon. Mais... Et c'est le sens de notre mobilisation depuis des mois, des années. C'est le sens du combat que nous menons dans le printemps européen avec d'autres citoyens de gauche européens comme en France. Pas seulement à Génération, dans l'alliance citoyenne que nous nous proposons de construire. Nous disons qu'il va falloir s'habituer à ce que nos mots reviennent dans le débat public. Et si ils ne s'y habituent pas, répétons-les inlassablement, car ce sont les nôtres, nous les chérissons, nous les aimons. Nous les portons haut, tous ces mots incroyablement absents du vocabulaire du président de la République. Solidarité, fraternité, égalité, hospitalité, laïcité, redistribution, justice fiscale et sociale. Sécurité sociale, service public, respect de la fonction publique, congés payés, liberté syndicale, réduction du temps de travail, revenu universel d'existence. Portez-les ces mots, portez-les en bannière, en écharpe, soyez-en fiers, imposez-les, parce que vous imposerez avec ces mots l'idée du progrès. Et ne reculons plus, surtout pas maintenant que des digues sont tombées, ne reculons plus, ne cédons rien. Je voudrais vous livrer cette phrase extraite d'un livre bouleversant. Un livre bouleversant, Le Lambeau, écrit par Philippe Lançon, rescapé de Charlie Hebdo. Écoutez ces mots. Ce n'est pas parce que tant d'hommes sont des nullités égoïstes et vaniteuses que Nina va cesser d'aimer. Ce n'est pas parce que la gauche trahit le peuple que Nina va finir comme tant d'autres à droite. Il y a des millions de Nina dans notre pays. À commencer par cette salle. Des millions de Nina à ne pas vouloir laisser la déception de ces dernières années, des renoncements, des trahisons, recouvrir leur espoir du long manteau du découragement. Alors, devant le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, moi j'ai depuis le début refusé toute récupération, parce que rien ne peut me paraître plus abject aujourd'hui en politique, que l'empathie feinte, que le trucage de ceux et celles qui pensent toujours à leur petite
pommes à leur image et jamais aux réalités portées par ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui protestent. Et face à ceux qui d'un côté créent la misère, Macron, face à ceux qui exploitent la colère, et ils sont nombreux, et cherchent à exploiter cette colère en chevauchant le tigre avec le seul espoir que ce tigre les conduise où ? À la place de Macron. Eh bien, notre responsabilité, celle de la gauche, elle est de proposer une vision d'avenir à ceux qui désespèrent, sans oublier aussi ceux qui espèrent. Le devoir de la gauche n'est pas de jeter de l'essence sur la colère. Si nous voulons vraiment l'après-Macron et l'après-Carbone, alors nous voulons remettre le progrès au pouvoir. C'est notre devoir. Notre devoir, c'est l'espoir. Dans ces temps troublés, il n'est qu'à voir la peur sur le visage de certains. Dans cette époque sans repère, où humanistes, droits de l'homiste sont devenus des insultes au pays des droits de l'homme, parler d'espoir suscitera forcément des ricanements. L'espoir, cette atmosphère d'idéaliste, d'utopiste. Mais l'espoir, je veux vous le dire, c'est une force irrésistible. C'est ce chant, à nul autre pareil, qui montait des champs, justement, de coton dans le sud esclavagiste de l'Amérique, pour traverser l'Atlantique et se retrouver dans les machines à tisser des canuts lyonnais insurgés. C'est cette voix qui dit non à l'apartheid à travers les barreaux de la cellule 46-664 de Robben Island, celle de Mandela pendant 26 ans. L'espoir, c'est aussi la voix du crieur de Ménilmontant qui vendait l'humanité dimanche en osant dire « paix en Algérie ». L'espoir, c'est la couleur éclatante d'œillets brandis pendant la Révolution au Portugal. Et celle tout aussi vive du chiffon rouge couleur de sang que tant de compagnons de colère ont chanté à son nez poumonné. L'espoir, c'est cette clameur qui donne de la force aux faibles et qui intranquillise toujours ceux qui ne vivent que de l'oppression de l'homme par l'homme. L'espoir, celui que nous allons lever, c'est ce qui fonde notre commune humanité. Alors non, notre devoir, c'est surtout de ne pas le laisser disparaître, d'entretenir cette flamme dont parlait tout à l'heure Guillaume Balas, parce qu'aujourd'hui on en a besoin, non pas pour embraser la plaine, mais pour embraser le débat politique, pour illuminer le ciel, pour illuminer les têtes et ne pas les laisser s'obscurcir par toutes ces sales idées nauséabondes, cette guerre de tous contre tous qui aujourd'hui est en train de s'immiscer jusque dans le cœur et la tête de millions d'hommes et de femmes. Depuis des mois, je veux vous le dire, je sillonne notre pays à l'occasion du Génération Fraternité Tours. Et j'ai vu partout, justement, ces combattants de l'espoir. J'ai vu Cédric Héroux, dans sa ferme, dans la Roya, avec des femmes, des hommes, des migrants, des Français, d'ailleurs arrêtons de dire des migrants, des êtres humains unis en fraternité. J'ai vu, parmi tant d'autres visages, les sages-femmes et les parents de la maternité du Blanc, chassés par la gendarmerie, alors qu'ils demandaient tout simplement un service public de qualité, qu'ils payent les mêmes impôts qu'ici et qu'ils ont, eux, droit à 4 fois moins de services publics qu'ici. J'ai vu les incroyables militants d'Alternativa au Pays Basque qui sont, comme ils disent, plus chauds que le climat. Et comme nous, ils se battent, ils inventent, ils expérimentent, ils proposent, ils espèrent. Ils sont debout, comme ceux qui y croient encore. Alors, ce soir, je veux leur adresser un message clair, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont tentés de baisser les bras, ou ceux qui sont déjà résignés. Et ce message tient en quelques mots simples. L'espoir revient. Hope is back. Ici et maintenant. L'espoir revient. Nous ne baisserons pas la tête.
Nous ne baisserons pas la tête face au cynisme, au déclinisme, au nihilisme. Nous sommes là. Et je vous demande en particulier de faire entendre bruyamment toute votre fraternité, puisque j'ai commencé avec Primo Levi. Faire entendre bruyamment votre fraternité à Domenico Lugano, assigné à résidence par le fasciste Salvini, maire de Riace, qui, parce qu'il se battait pour accueillir dignement des migrants, est aujourd'hui assigné à résidence, donc emprisonné. Faisons entendre notre fraternité ici et notre espérance jusqu'au-delà des Alpes. Les fascistes mentent. Les fascistes mentent. Le choc des civilisations prédit par Huntington entre les cultures du monde n'aura pas lieu. En revanche, au niveau mondial, il y a un choc. Ce choc entre les femmes et les hommes de progrès et ceux qui veulent nous entraîner dans la grande régression. Il y a dans la mondialisation, comme ici dans notre pays et en Europe, un combat entre les partisans d'un monde civilisé, régulé, les citoyens d'un monde soucieux du commun, du vivant, de la démocratie, épris de justice, et les tenants d'un monde barbare, sans autre règle que la guerre de tous contre tous. Ceux qui prônent l'humanisme face à ceux qui créent l'ensauvagement et le chaos. Ceux qui feront tout pour éviter l'effondrement écologique et ceux qui imaginent déjà comment en tirer des bénéfices. Il y a 100 ans déjà, capitalistes et nationalistes, main dans la main, jetaient l'Europe dans cette boucherie, cette guerre usinière dont parlait Blaise Cendrars, et jeter nos arrière-grands-pères, dont les miens, dans l'horreur des tranchées. Eh bien, il recommence aujourd'hui. Les nationalistes, les fascistes, les identitaires ne sont pas aux portes du pouvoir, ils sont au pouvoir. Ils sont là, dans le Brésil de Bolsonaro, où on tue les homosexuels et les transsexuels. Dans l'Italie de Salvini, c'est le couvre-feu ethnique pour les magasins tenus par les étrangers. En Allemagne, on organise des chasses aux migrants. En Hongrie, Orban traque les Roms. En France, Zemmour et Ramadan s'envoient des SMS chaleureux pendant qu'ils jouent la sinistre comédie sur tous les plateaux de télévision de la guerre identitaire qui amènera Le Pen au pouvoir. C'est l'international des carbo-fascistes. Avec leur virilisme autoritaire ridicule. Ces gens qui détestent autant les libertés qu'ils combattent la transition écologique et les droits des travailleurs. Ce sont les escrocs du Brexit qui, après avoir jeté leur peuple dans l'impasse, délocalisent aujourd'hui leur colossale fortune dans des paradis fiscaux, bien sûr. Les populistes millionnaires, comme Trump ou Le Pen, qui n'ont que le mot « peuple » aux lèvres, mais qui le méprisent comme le méprisaient déjà les sophistes, ces démagogues prêts à tous les mensonges pour vous soutirer ou votre voix ou votre argent et que ridiculisaient déjà Platon ou Socrate. Dans cette situation historique dangereuse, à la fois un point de bascule pour le climat et point de bascule démocratique, nous ne pourrons pas compter sur les libéraux. Nous ne pourrons pas compter sur eux dans le combat contre les populistes d'extrême droite. Nous ne pourrons pas compter sur eux, sinon, contrairement à ce qu'ils prétendent, Emmanuel Macron n'aurait pas fait la politique de Salvini vis-à-vis de l'Aquarius et des migrants. Emmanuel Macron n'est pas l'adversaire de Salvini. Il n'est pas l'adversaire de Madame Le Pen. Il n'est pas un rempart. Il est aujourd'hui leur complice objectif. Il s'est montré indigne du mandat des Français au second tour de l'élection présidentielle, en traitant l'Aquarius comme Salvini et en faisant adopter la loi immigration-travail qu'ont voté les députés du Front National. Qui nous aurait dit que le Front National voterait les lois Macron quand celui-ci nous appelait aux urnes pour faire barrage à Le Pen? Je l'ai dit 100 fois et je le répète.
Que moi j'y ai appelé, ça n'est pas grave. Mais que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui savaient qu'ils allaient payer plein pot à l'hôpital, plein pot au droit du travail, plein pot pour leurs impôts, ont voté pour éviter Le Pen et ils ont eu quoi ? Et Macron et Le Pen ! Et Macron et Le Pen ! Sur les migrants, ça me désole, ça me désole, ça me désole à en pleurer. Mais oui, nous n'avons été ni à la hauteur de notre histoire, ni à la hauteur de notre constitution, ni à la hauteur de la déclaration des droits de l'homme, ni à la hauteur de tous ces discours qui nous arracheraient des larmes que nous faisait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle au second tour pour nous demander d'aller sauver la République. Qu'en a-t-il fait le jour où il a fermé le port de Marseille, refusé le pavillon français à l'Aquarius ? Qu'en a-t-il fait ? Qu'en a-t-il fait ? Qu'en a-t-il fait quand il a refusé d'écouter ? Quand il a refusé d'écouter ceux qui se plaignaient de la vie chère, quand il a refusé de prendre dans les mains d'une retraitée en lui disant « Ne vous plaignez pas, il faut arrêter de se plaindre ». Oui, il a sali les principes de la République. Il a refusé d'être à la hauteur du mandat qui lui était donné. Alors on tente, et on va tenter encore de nous enfermer dans le match truqué, pipé, entre nationalistes et libéraux. Comme l'an dernier, un vote sondage, un vote chantage. Interrogez-vous d'ailleurs sur l'utilité de votre vote la dernière fois. Le fameux vote utile en faveur de celui qui a gagné ou de ceux qui vous annonçaient être la plus belle des oppositions utiles. Hein ? Non, ça n'a pas été utile. Parce que le vote sondage, c'est un vote chantage. Monsieur Macron se présentait comme le nouveau monde. Mais il faut mettre un nom sur le mal qui nous ronge depuis 30 ans et dont il n'est que l'énième avatar. C'est la révolution néolibérale qui met notre société à bout de souffle et désormais à bout de nerfs. Il faut donc nommer, disséquer, extirper le problème. Avec ces stratégies de division, de mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, c'est le système néolibéral qui conduit à l'éclatement social, qui prépare les esprits à quoi ? Aux régimes autoritaires, avec son management qui opprime, qui déprime, qui finit par susciter le burn-out généralisé, la haine du voisin étranger ou qui jette les salariés contre les soi-disant assistés. Alors nous devons imposer le scénario qui manque, le scénario positif de la grande gauche écologiste et européenne. Dans cette élection qui vient, où tout n'est pas écrit d'avance, comme on voudrait nous le faire croire. Nos propositions seront celles de la grande bataille idéologique, mais aussi celles du grand mouvement du parti de tous les jours de la vie que nous sommes, de l'alliance citoyenne que nous allons porter. Et je veux le répéter, je ne supporte plus, moi, la négativité qui contamine désormais toute notre démocratie. Allez chercher celles et ceux qui veulent à nouveau s'engager et voter pour. Vous vous souvenez ? Votez pour. Et cette fois-ci, nous voterons pour quoi ? Pour un Green New Deal, un New Deal vert, constitué d'un plan massif d'investissement pour la transition écologique. Pour un New Deal social, avec la mise en place d'un revenu universel européen financé par la BCE. Parce que le nombre d'heures travaillées est en diminution sur notre continent et pour un salaire minimum européen. Pour un New Deal fiscal fondé sur la justice, la lutte sans merci contre la délinquance et l'évasion fiscale, la contribution des GAFAF pour financer la transition écologique, une taxe ambitieuse sur les transactions financières et un impôt commun sur les sociétés. Pour une agence européenne qui identifie et interdise les perturbateurs endocriniens présents dans notre alimentation et les produits de consommation. Pour un programme européen pour l'enfance, car la mortalité infantile augmente en Europe.
pour le congé parental partout en Europe. Aujourd'hui voté par le Parlement européen, mais bloqué par qui ? Par le gouvernement français. Pour inscrire le droit à l'IVG dans le marbre des traités et en faire une condition d'adhésion à l'Europe, comme c'est le cas pour l'abolition de la peine de mort. Pour une politique d'accueil des exilés et des réfugiés, la fin des accords de Dublin. Pour un renforcement de la législation européenne contre les lobbies. Voilà ce que nous voulons. Et pour cela, nous assumons la renégociation des traités. Il le faudra. Et nous serons d'autant plus exigeants que nous aimons l'Europe. Nous ne disons pas qu'il faut renégocier les traités pour nous en servir de prétexte pour quitter l'Europe. Nous disons qu'il faut renégocier les traités pour faire l'Europe et l'Europe démocratique. Alors oui, nous aimons l'Europe. Oui, nous l'aimons. Et je sais que c'est une phrase que nous ne sommes plus nombreux à oser prononcer. Et nous la prononçons avec passion que nous aimons l'Europe. Cette Europe si souvent réduite à une idée abstraite et technocratique, elle est pour nous notre monde sensible, notre histoire. C'est le sourire de la Joconde, la démarche fragile et hésitante des fantômes en pyjama rayés sortant d'Auschwitz, mais aussi les mains de Kohl et de Mitterrand enlacées pour la paix. C'est aussi encore l'archer de Rostropovitch au pied du mur de Berlin ou le pinceau, de Picasso immortalisant les martyrs de Guernica. Voilà ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est la plus incroyable union pacifique et démocratique de peuples, de langues, de religions, de cultures jamais inventées dans l'histoire. Et il faudrait jeter cela parce que les libéraux l'ont perverti. Il faudrait jeter l'Europe parce que les fans de la compétition entre individus ont créé quoi ? La compétition entre nations. Mais nous disons coopération plutôt que compétition entre individus ou compétition entre nations. Coopération, quel magnifique mot celui-là ! Coopération entre les peuples, coopération démocratique, coopération consentie. Mais c'est aussi dans cette époque de confrontation entre États continents que nous avons besoin de l'Europe. Qui ne voit pas l'Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, les États-Unis, que seule l'Europe est capable de s'affronter aux défis posés par ces continents-États, que la seule échelle pour être une puissance de progrès dans le siècle à venir, c'est l'Europe. Que peut faire ? Honnêtement, que peut faire ? Que peut faire la France seule face au dérèglement climatique ou à l'emprise des GAFA sur nos vies ? Que peut faire la France ? Mais j'ai confiance que l'Europe, qui signifiait la paix pour nos parents, la promesse de prospérité pour ma génération, a déçu. Trop de citoyens ne considèrent plus qu'appartenir à l'Europe peut améliorer leur existence. Et c'est même souvent l'inverse. Ont-ils tort ? Non. Ils ont raison. Les plus jeunes, les générations nées après la chute du mur ont besoin, et nous tous avec, d'une nouvelle frontière, d'un nouvel horizon commun, ce dont parlait tout à l'heure Salah Amokhran. Et comme Kennedy emmenant les Américains sur la Lune, nous devons nous mobiliser pour un objectif commun. Mobilisons-nous sur quoi ? Et mobilisons les énergies européennes sur quoi ? Mobilisons toutes nos énergies, nos scientifiques, nos ingénieurs, nos ONG, nos associations, nos entreprises, nos écoles, nos universités, les citoyens, vers le scénario écologique négawatt, c'est-à-dire l'économie décarbonée. C'est un bel objectif. La nostalgie d'hier, les solutions héritées du 19e siècle et de la révolution industrielle ne peuvent pas être l'avenir décarboné.
Nous avons un besoin vital d'Europe pour tenir tête à Trump, à la Chine et aux pétromonarchies du Golfe. Parce qu'il ne faut pas mentir avec l'illusion souverainiste. On ne changera pas le climat entre Lille et Marseille quand la moitié de la biodiversité mondiale est menacée de disparaître d'ici 2080. C'est une illusion. C'est une illusion. L'écologie, une écologie profondément sociale en rupture avec la folie libérale, une écologie qui redonne du sens au progrès, qui remet la science au service de l'humain selon le grand projet des Lumières. Voilà la nouvelle frontière européenne vers laquelle on doit mobiliser les citoyens de notre pays et de toute l'Europe. Voilà la grande idée que doit porter la France en Europe. Voilà le combat de la gauche écologiste ici pour faire à nouveau de notre pays un pays pionnier. Notre monde, et plus particulièrement notre continent et notre pays même, n'ont jamais compté tant de richesses, tant de savoirs, tant de techniques, tant de penseurs, tant d'énergie, tout simplement tant d'êtres humains qui peuvent nous permettre de nous en sortir si nous préférons la fraternité à l'égoïsme. Si le progrès social abat la domination des puissances d'argent. Parce que tout l'argent du monde ne nous achètera pas une autre planète où vivre. N'arrêtera pas les émeutes climatiques à venir, ni les conflits que le capitalisme fou porte comme la nuée porte l'orage. Voilà la réalité. Les prophètes de malheur, les marchands de colère vous disent « c'est fini, tout est perdu, tout s'effondre, chacun pour soi, pliez les Gaules, planquez-vous ». La haine pour l'autre et le marché pour tous. Nous, nous vous disons, moi je vous dis, tout est possible si à commencer par ici, chacun s'engage, si tous s'unissent autour de ce grand projet de société. Si l'on vous demande comment il s'appelle ce grand projet, répondez, c'est simple. C'est très simple. C'est la société du partage. Nous, la gauche écologiste européenne, nous sommes les partageux. Partage des richesses, partage de l'identité et des cultures, partage de l'écologie, partage des savoirs, partage démocratique du pouvoir. Voilà comment nous partagerons à nouveau un futur désirable. Le partage. De Pierre Mendès-France, de Michel Rocard, mais aussi de Martine Aubry ou Henri Emmanuelli, de mon éducation politique comme de celle que m'ont donnée mes parents, moi j'ai appris une valeur. Celle de la vérité. Alors je ne veux rien vous cacher ce soir. Le combat sera indiscutablement difficile. Ad Augusta per Angusta. En latin, vers les sommets par des chemins escarpés. Mais je veux vous dire mon autre conviction. Si vers des sommets et par des chemins escarpés, la bataille sera difficile. À la fin, nos passions positives l'emporteront, nos idées radicales s'imposeront, nos valeurs gouverneront. C'est le mot qui les effraie le plus. L'idée que les citoyens puissent, rendez-vous compte, reprendre le pouvoir qui leur appartient. Alors aujourd'hui, devant vous, avec vous, par vous, je m'engage une nouvelle fois, totalement, comme à chaque fois, en première ligne, car l'engagement pour la justice ne connaît pas de repos. C'est celui d'une vie. Je m'engage parce que je prends l'Europe, la démocratie et l'écologie au sérieux. Je m'engage avec l'Alliance citoyenne qui nous rejoint, nous enveloppe et nous porte déjà. Je m'engage parce que je veux l'unité de la gauche et de l'écologie politique dont je reste et resterai toujours le premier avocat et le premier artisan. Par conviction et par réalisme, je m'engage parce que le compte à rebours climatique et le compte à rebours démocratique disent à toutes celles et ceux qui partagent déjà un projet commun, unissez-vous pour la gauche, pour l'écologie,
Unissez-vous pour le pays, pour la France. Unissez-vous pour l'Europe, pour la planète. Unissez-vous. Voilà ce que nous commençons ici, avec Yanis Varoufakis, avec le Printemps européen, avec Sarah, Salah, Aurore, Guillaume, Isabelle, Édouard, Éric et tous les autres. Avec vous, nous le disons sans cesse, mes chers amis. Nous le disons sans cesse. Nous ne croyons pas en l'homme providentiel. Et on a payé pour voir. Et on a payé pour voir. Nous ne croyons pas en l'homme providentiel. Car les derniers occupants de l'Élysée peuvent en témoigner. Les victoires d'hommes providentiels finissent toujours en désastre présidentiel. Comme le véritable engagement écologique suppose la rupture avec le modèle libéral, le véritable engagement démocratique implique aussi une rupture. La rupture avec les vieux appareils et surtout avec les institutions mortifères et étouffantes de 1958. Nous continuons à croire en l'intelligence collective, dans le souffle inspirant et irrésistible de l'intelligence citoyenne. C'est pourquoi nous avons ouvert nos listes si largement. C'est pourquoi nous participons au Printemps européen aux côtés de nombreux mouvements citoyens politiques de toute l'Europe. C'est pourquoi, lorsqu'un jour prochain nous gouvernerons, notre premier acte sera de donner la parole aux Français par référendum pour démocratiser radicalement ce qui deviendra la 6e République. Notre société sera une société du faire avec, du faire ensemble, de la coopération plutôt que de la concurrence sauvage, une démocratie de tous les visages et non d'un seul. Quand on aime la France, cette nation qui rayonne dans le monde, parce que comme l'explique l'historien Patrick Boucheron, chaque nation, chaque idée, chaque mouvement du monde a justement un jour ou l'autre choisit la France pour rayonner et battre plus fort. Quand on aime la France donc, on ne peut pas la voir ainsi déchirée sans une souffrance intime, personnelle. Et moi, je ne m'y résigne pas. Et je vous dis, face aux petites épicières et épiciers de la colère, je suis plus déterminé que jamais à réconcilier notre peuple par la fraternité et par l'espoir. Et je sais que vous l'êtes aussi. Une force doit se lever dans ce pays et c'est la gauche qui peut rétablir la concorde dans la République. Alors, puisque ceux qui disaient « En marche » n'ont de cesse de laisser les citoyens au bord de la route, répondons-leur que nous marcherons toujours ensemble. Marchons ensemble et non plus séparément. Marche pour le climat et contre la vie chère, parce que notre écologie est sociale. Marchons ensemble. Main dans la main, Françaises et migrants, solidaires dans une Europe dont la Méditerranée ne sera plus le cimetière. Marchons ensemble, lycéens frappés par ce pouvoir et enseignants méprisés par lui. Marchons ensemble et que se retrouve celui qui se sent oublié au pied de sa barre d'immeuble et celui qui se sent oublié au bout de son champ. Marchons ensemble, celui qui n'est rien, comme ils disent, et celui qui a peur de tout perdre. Marchons ensemble, toutes croyances, toutes origines, toutes générations confondues. Ne les laissons plus nous diviser, ne les laissons plus nous arrêter. Marchons ensemble, marchons ensemble, marchons ensemble. Et au bout du chemin, il y aura évidemment l'avenir, le progrès et surtout cette paix qui nous échappe. Cette paix qui peut-être est en train de nous échapper, mais que nous voulons retrouver, celle entre tous les Français. Alors, en m'approchant de la fin de ce propos, je vais vous faire une confidence personnelle. Non. J'ai commencé, certains le savent, jeune militant, chez moi, dans ce Finistère, où l'on aime beaucoup l'Europe,
où l'on aime d'ailleurs tant l'Europe, peut-être parce que c'est ce petit bout de terre, sur ce petit bout de terre, que naît cet immense continent et qu'il s'ouvre au monde. Et depuis cette époque où déjà le néolibéralisme ravageait les vies que tant ont données, à l'Arsenal, à Recouvrance, à Pontanézène pour les Brestois, où déjà nous devions affronter la violence de l'extrême droite faisant le coup de poing jusque dans la rue Jean Jaurès, ce qui nous laissait des souvenirs, il m'en laisse encore. Depuis cette époque donc, ma lecture de la politique et du monde ont changé. Certains font de la politique pour la gloire et il a pu m'arriver de ne pas échapper à cette griserie. D'autres se passionnent pour la politique des grandes idées et ça, c'est un goût que je partage avec eux. D'autres sont encore obsédés par le pouvoir. Et nous n'y voyons qu'un outil pour la société. Eh bien, je dois vous dire, si l'âpreté du combat ne m'effraie jamais, si au contraire, vous me trouverez toujours en première ligne, c'est que je ne pense désormais qu'à mes filles. Aux miennes, et à ce petit garçon, à cette petite fille, qui sont nées depuis le début de ce discours, dans ce monde si difficile, dans cette France qui désespère ou sur un bateau cherchant les rives de l'Europe dans la nuit. Je ne pense qu'à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Je pense à leur avenir, bien sûr, mais je pense surtout à leur jugement sévère si nous ne faisons rien. Le rôle des gouvernants, ça n'est pas de regarder le monde à hauteur de pavé, ni de le mépriser de leur hauteur soi-disant jupitérienne. Le rôle des gouvernants, c'est de regarder le monde à hauteur d'homme, à échelle humaine, comme l'écrivait Léon Blum dans la statue nous veille si près d'ici. Alors, mes chers amis, à l'échelle humaine, voilà notre échelle pour changer le monde. Vive la gauche écologiste européenne. Vive l'Europe. Vive la France. Vive la République. Et vive l'espoir.
L'espoir revient, l'espoir est de retour. Merci à tous pour votre participation à ce meeting ce soir avec Benoît Hamon, avec Yanis Varoufakis, avec nos députés européens. N'hésitez pas à venir boire un verre dans le hall de ce cirque d'hiver. L'espoir revient à nous d'entretenir la flamme. Il y a des tracts à récupérer pour celles et ceux qui veulent retourner les distribuer, pour celles et ceux qui veulent maintenant s'engager dans ce combat pour que l'espoir non seulement revienne, mais l'espoir perdure et l'espoir prenne de l'ampleur. N'hésitez pas non plus à adhérer à Génération pour celles et ceux qui ne seraient pas encore adhérents. Et n'hésitez pas non plus à contribuer à cette belle campagne européenne qui s'annonce, à contribuer parce que cette campagne, évidemment, il va falloir la construire de façon ambitieuse. Donc vous pouvez faire des dons. N'hésitez pas à l'entrée dans le hall, à venir vous rapprocher des tables. L'espoir revient, l'espoir est de retour, l'espoir va perdurer, l'espoir, on va le faire vivre.